Bon, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Merci à Vincent et à toute l'équipe de la Société psychédélique française pour l'invitation à participer à ce webinaire et à parler de mes deux sujets favoris, neurosciences et psychédéliques. Donc, je m'appelle Valérie, j'ai rejoint la fondation Beckley depuis 3 ans. Cette fondation, basée en Angleterre, se tient depuis ces 20 dernières années aux premières loges de la Renaissance psychédélique, en initiant et finançant des projets de recherche dans le but d'élargir les connaissances dans ce domaine et de mieux comprendre et maîtriser l'usage thérapeutique des psychédéliques. Donc, comme vous le savez déjà, il y a de très nombreuses substances capables d'altérer la conscience et leur mécanisme d'action peut différer du tout au tout. Dans cette présentation, je vais me focaliser sur les psychédéliques dits classiques, tels que psilocybine, LSD, DMT, qui sont ceux qui ont été le plus recherchés. Donc, ces psychédéliques classiques ont tous un point commun, leur similarité avec le neurotransmetteur sérotonine. Ils agissent principalement en interagissant avec les différents récepteurs de la sérotonine. Et le plus important dans l'expérience psychédélique est la sous-classe de récepteur 5-HT2A. Si on bloque ce récepteur à l'aide d'un antagoniste, alors on bloque aussi les effets psychédéliques de ces composés. Cependant, chacune de ces substances a une structure unique et active ainsi les 5-HT2A, mais aussi d'autres types de récepteurs avec plus ou moins d'efficacité, ce qui leur donne une différente caractéristique telles que intensité, durée, nature des effets. Alors, avant de partir dans les mécanismes sous-jacents de l'expérience psychédélique, il est important de comprendre de quoi se compose au juste cette expérience. Alors, tout cela paraît évidemment très réducteur face au caractère ineffable de l'expérience psychédélique, mais les chercheurs ont quand même réussi à créer des mesures telles que le questionnaire des états altérés de conscience, qui consiste en une série de questions auxquelles on répond par le moyen d'échelles analogues visuelles, comme on peut le voir ici. Cette échelle est basée sur l'idée que le noyau commun de toute expérience psychédélique peut être décrite par 3 dimensions. Le sentiment océanique, qui correspond à la dissolution des frontières de l'ego vécue de manière positive, comme on voit ici en orange. La désintégration anxiogène de l'ego, qui survient lorsque ce phénomène de perte de l'ego est vécu de manière négative et incapacitante. Donc, ce sont les dimensions violettes ici. Et on a aussi la restructuration visionnaire qui correspond aux phénomènes visuels et auditifs, hallucinations, synesthésie et aussi les altérations du sens de ce qui est perçu. Donc maintenant que ces notions ont été introduites, revenons au mécanisme qui est à leur base dans l'expérience psychédélique, à savoir l'activation des récepteurs 5-HT2A. Ce récepteur est assez remarquable dans la famille des récepteurs de sérotonine de par sa distribution sur une très large partie du cortex, comme on peut le voir sur cette image, avec toutes les zones en rouge, orange, avec une densité maximale de ces récepteurs. Alors, il est aussi intéressant de noter que ces récepteurs sont présents en grande quantité dans d'autres parties du corps. Et personnellement, je trouve que la possibilité que l'expérience psychédélique puisse se jouer au-delà du cerveau, tout à fait fascinante, mais elle n'a pas été encore, ça n'a pas été encore recherché. Donc maintenant, on va revenir en terrain un peu plus connu, dans le cerveau, où l'activation des récepteurs 5-HT2A entraîne une cascade de réactions en chaîne qui mène à la production d'une protéine essentielle dans le phénomène de neuroplasticité. Cette protéine s'appelle en anglais Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF. La neuroplasticité cérébrale, c'est le mécanisme qui permet aux cellules neuronales de se développer et de créer de nouvelles connexions. Et c'est ce qui est à la base de toute adaptation et apprentissage. Ce graphique ici représente un résultat très récemment publié d'une étude sur les effets de très faibles doses de LSD, qu'on appelle microdosing, chez des sujets sains. On a pu voir que 6 heures après avoir reçu leur dose de LSD, on pouvait mesurer une augmentation importante du niveau de BDNF dans le plasma sanguin des volontaires. Cette augmentation était proportionnelle à la dose reçue. Ces images d'à côté montrent des changements synaptiques après exposition de cultures de neurones à du LSD ou du DMT. Et on peut voir là une augmentation très nette du nombre de nouvelles synapses formées, particulièrement avec le LSD. Alors maintenant, on va dézoomer pour passer des récepteurs et cellules neuronales à un tout autre niveau et s'intéresser à l'activité des régions cérébrales et la manière dont elles communiquent ensemble et ce que cela peut nous apprendre sur l'expérience psychédélique et sa nature.
Donc, quand les chercheurs ont scanné pour la première fois des personnes sous l'influence de psychédéliques, ils s'attendaient plutôt à voir une augmentation du niveau d'activité qui reflèterait l'intensité de l'expérience. Mais à leur grande surprise, ce fut le contraire. Comme l'indique cette image, on a pu constater une diminution de l'activité cérébrale dans de nombreuses régions, donc ici toutes ces régions en bleu, et en particulier celle du réseau du mode par défaut, sur lequel je vais revenir. Et cette diminution d'activité était en plus liée à l'intensité de l'expérience. Il faut quand même aussi préciser que d'autres études utilisant des modalités d'imagerie cérébrale différentes ont aussi pu observer une augmentation d'activité dans certaines régions du cortex préfrontal. Et cette augmentation semble être impliquée dans le phénomène de dissolution de l'ego anxiogène. Alors quand on sait que le cortex préfrontal est une zone impliquée dans le contrôle et qu'il est bien connu que le refus ou l'incapacité de lâcher prise pendant l'expérience psychédélique peut mener à des expériences assez angoissantes, ça a du sens, ce résultat. Mais pour le moment, revenons à ce réseau du mode par défaut que je vais appeler maintenant DMN, pour faire plus simple, pour Default Mode Network. Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà pu entendre parler de ce réseau. Il est devenu fameux lorsqu'on a commencé à s'intéresser à la manière dont les différentes régions cérébrales communiquent les unes avec les autres lorsque le cerveau est au repos, grâce aux mesures de connectivité fonctionnelle. Cette approche a permis de découvrir un réseau cérébral constitué des régions particulièrement actives lorsqu'un individu n'est pas focalisé sur le monde extérieur, mais laisse libre cours à ses pensées. Les régions cérébrales qui s'activent de façon synchrone pour former ce réseau jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des mécanismes liés à l'ego, comme la mémoire, l'introspection, mais aussi la rêverie et la rumination. Donc normalement, les régions du DMN fonctionnent à l'unisson, mais les psychédéliques entraînent leur désolidarisation. Et cette désintégration semble être corrélée en partie avec l'expérience de dissolution de l'ego. Alors, d'autres réseaux sont également impliqués dans la dissolution de l'ego. On a tendance à beaucoup parler du DMN, comme si l'expérience de dissolution de l'ego dépendait entièrement de ce réseau cérébral. Mais en fait, d'autres réseaux ont été impliqués, et peut-être même de manière encore plus flagrante. En particulier, le réseau de la salience, qui est entre autres impliqué dans la conscience de soi, à travers l'intégration des systèmes sensoriels, émotionnels et cognitifs. Donc ici, le graphe d'en bas montre que plus les régions de ce réseau sont dissociées dans leur activité, plus intense l'expérience de dissolution de l'ego est perçue. Alors, on a vu que l'expérience psychédélique était associée à une désintégration ou désolidarisation de certains réseaux cérébraux, mais en dézoomant encore davantage et en observant la communication entre différents réseaux à l'échelle du cerveau entier, on voit alors quelque chose de très intéressant apparaître. Donc en très simplifié, cette image ici représente les lignes de communication entre différentes régions cérébrales en temps normal. Donc, les différentes couleurs représentent différents réseaux cérébraux et on voit que les principales lignes de communication sont au sein d'un même réseau. Mais sous psychédélique, cette ségrégation disparaît. Des régions qui normalement ne communiquent pas ensemble se mettent à interagir, même à très longue distance. Cette image est maintenant devenue le symbole de l'expérience psychédélique, et à juste titre, car elle représente à merveille l'expérience subjective, aussi bien que les mécanismes neurobiologiques qui l'accompagnent. Plus de fluidité, des connexions inhabituelles donnant naissance à des perceptions nouvelles. En gros, le cerveau est hyper connecté, et cela reflète bien le vécu subjectif avec des sensations d'interconnexion avec le tout. Alors, qu'est-ce qui permet un tel changement dans le mode de communication des réseaux cérébraux? La question est encore ouverte. Il a été suggéré que c'était l'affaiblissement du réseau par défaut, du DMN, qui fonctionnerait normalement comme un chef d'orchestre pour les autres réseaux et sans lequel un mode de fonctionnement plus polyphonique pourrait avoir lieu. Mais il y a aussi une autre région dont on parle moins, mais qui pourrait jouer un rôle dans cette orchestration, c'est le thalamus. Cette région logée au cœur du cerveau, dans la zone subcorticale, est connectée à un grand nombre de régions corticales et joue un rôle clé dans l'inhibition ou la filtration des signaux jugés comme non pertinents. Donc, toutes les perceptions du monde extérieur ou des sensations corporelles et aussi des signaux provenant d'autres régions subcorticales. Et ça permet ainsi que les régions corticales de traitement d'informations ne soient pas inondées d'informations. Mais sous LSD,
la connectivité fonctionnelle du thalamus avec un grand nombre de régions corticales augmente énormément. Donc on peut le voir sur ce diagramme un peu psychédélique d'ailleurs, sur la droite de l'écran. Et donc une augmentation considérable avec beaucoup de régions corticales qui suggère un plus grand flot d'informations et dans une certaine mesure une diminution de ce filtre, donc une ouverture de la porte de la perception. Voilà pour la petite citation d'Aldous Huxley, qui a bien sa place ici. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. 10 minutes, ça fait très court. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu aborder. Par exemple, l'effet des psychédéliques sur les ondes cérébrales, leur effet à long terme, leur usage thérapeutique, l'importance de l'expérience mystique dans cet effet thérapeutique, l'effet des microdoses. Alors, je sais que pour certains, réduire l'expérience psychédélique à un ensemble de phénomènes purement physiologiques peut faire grincer des dents, et à juste titre. Mais il est important de préciser que si nos outils de mesure à l'heure actuelle nous permettent d'établir des liens entre expérience subjective et changement physiologique, ces liens ne sont pas nécessairement causatifs. Il s'agit davantage de deux façons différentes d'observer le même phénomène dans ses différentes manifestations et avec des outils somme toute limités que nous possédons. Si l'expérience psychédélique dépend entièrement de l'activation de récepteurs 5-HT2A, alors comment expliquer que certaines personnes vivent des expériences très semblables sans prise de composé ou sous placebo? Donc en conclusion, la neuroscience des psychédéliques nous amène sur un terrain passionnant mais assez houleux où se mêlent science, philosophie et spiritualité. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Essayez de sortir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas si c'est le cas. Désolée pour tous ces problèmes techniques. Il semble qu'on ait au moins subi une attaque sur notre compte Facebook. Alors, donc moi, je suis Zoé Dubus. Je suis doctorante en histoire à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai étudié donc notamment le LSD en tant que médicament dans les années 50-60 en France. Et donc ce soir, je vais vous parler de la pratique de l'auto-expérimentation de LSD par les psychiatres français et particulièrement anglo-saxons, et voir un petit peu quel impact ces pratiques ont pu avoir sur la pratique de certains médecins. Désolée, ça a été un petit peu intense, je vais essayer de me remettre dans le bain. Alors, le fait d'auto-expérimenter des médicaments, c'est quelque chose qui est totalement normal dans la médecine. Depuis le début de l'histoire de la médecine occidentale, c'est normal de tester d'abord sur soi les médicaments avant de les administrer à des patients, ne serait-ce que pour vérifier que le médicament n'est pas toxique et qu'il ne va pas tuer les patients. À partir du 19e siècle, à partir du moment où la médecine occidentale redécouvre les psychotropes, ça va s'institutionnaliser, cette pratique-là, notamment en lien avec les psychotropes. Et c'est Moreau de Tours, qui est un aliéniste, donc l'ancêtre des psychiatres, qui va vraiment théoriser ça, qui va expliquer que l'expertise des psychotropes, elle ne peut pas seulement être théorique, il faut absolument que ça passe par l'auto-expérience. Les experts des psychotropes sont obligés d'avoir une expérience personnelle des psychotropes. Donc si on pense par exemple à Freud avec la cocaïne à la fin du siècle, mais donc ça se poursuit tout au long du XXe siècle. Quand arrivent sur le marché les psychédéliques, et notamment le LSD, la pratique de l'auto-expérimentation, elle est totalement légitime et attendue par la communauté scientifique. Elle est tellement légitime et attendue que le laboratoire Sandoz, donc le laboratoire qui vend le LSD, dans sa notice, dans la notice du LSD, il y a marqué que les psychiatres doivent avoir au préalable une expérience personnelle et répétée de la substance. Alors, cette pratique, elle est comprise dans deux directions. D'abord, on estime que les psychiatres et les médecins, de par leur formation, ils vont être les plus à même de décrire les effets des psychédéliques. Comme c'est des nouvelles substances, on attend d'eux qu'ils fassent des comptes rendus qui vont être publiés dans la presse médicale.
Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai publié déjà plusieurs fois de ce type de compte-rendu. C'est assez exceptionnel de voir la liberté d'expression qu'ils ont. Hein. Ils racontent vraiment leurs auto-expériences. Donc voilà, ça permet d'enrichir la science de l'époque. Donc ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est qu'on estime qu'à cette époque-là, les effets du LSD, ils miment la psychose. Donc cette classe de médicaments-là, les psychédéliques, sont compris comme psychotomimétiques. Ce qui, dans la science de l'époque, on pense que ça va permettre aux psychiatres de vivre des psychoses expérimentales pour un temps donné, donc le temps de l'effet du LSD. Et ces expériences-là, elles devraient permettre aux psychiatres d'abord de mieux comprendre la folie, mais aussi d'avoir plus d'empathie vis-à-vis de leurs patients. Donc, comme je disais, c'était des pratiques tout à fait normales de l'époque, de la médecine de l'époque. Or, il y a une partie des psychiatres et des médecins qui sont impliqués dans l'étude du LSD qui, petit à petit, vont se rendre compte qu'il y a une grande différence entre les réactions des patients quand ils prennent le LSD et leurs propres réactions. C'est-à-dire que eux, quand ils prennent du LSD, ils ont des expériences qui sont lumineuses, positives, très euphoriques. Ce n'est pas du tout le cas de leurs patients. Quand eux prennent du LSD, ils en prennent dans leur bureau ou chez eux même, bref, dans des endroits qui sont confortables, qui leur sont bien connus, dans lesquels ils se sentent bien. Leurs patients, eux, ils prennent du LSD dans des pièces d'hôpital, toutes froides, blanches. Parfois, ils sont laissés seuls pendant plusieurs heures. Et petit à petit, il y a toute une partie du corps médical qui va se rendre compte que finalement, cette nouvelle classe de substances, donc les psychédéliques, demande un cadre particulier pour que l'expérience se passe bien et pour qu'on puisse en tirer le maximum de bénéfices. Et donc, principalement en Canada, en Angleterre et aux États-Unis, il y a des psychiatres qui vont chercher à améliorer la méthodologie de l'administration du LSD. Alors, cette recherche, elle va mener à la méthode du set and setting. Le set, c'est la préparation et l'information du patient avant la séance. Le setting, c'est le cadre dans lequel va avoir lieu l'expérience. Tout ça, c'est très nouveau pour la médecine occidentale qui, jusque-là, ne s'intéressait pas vraiment au vécu des patients pendant qu'on leur donnait un médicament. On leur donnait un médicament et puis c'était tout. Alors, progressivement, on va donc informer le patient, créer une relation avec lui, une alliance thérapeutique, pour que le patient soit bien informé des effets qu'il va avoir, qu'ils se sentent en confiance avec le thérapeute et que ça permette d'avoir des échanges plus intéressants pendant la séance psychothérapeutique. Donc ça, c'est le 7. On va aussi s'intéresser à comment améliorer la pièce dans laquelle se trouve l'expérience. Donc on va la décorer avec des œuvres d'art, on va mettre des tapis au sol, des photos, des plantes vertes, on va permettre au patient d'apporter des objets qui lui sont chers. On va chercher quelle musique pourrait être la meilleure à diffuser à ce moment-là. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que les psychiatres qui sont dans cette démarche-là vont avoir une toute nouvelle attitude vis-à-vis des patients qui sont en train de vivre cette expérience. Jusqu'à présent, l'attitude de la médecine occidentale, elle était distante, disciplinée. Ça veut dire que le psychiatre, il est dans une posture verticale, il est au-dessus, il regarde son patient qui est en train de vivre une expérience et il est hors de question qu'il lui prenne la main, qu'il le soutienne de quelconque manière. Donc les psychiatres qui vont mettre en place le set and setting, ils vont changer complètement leur attitude. C'est des recherches qui vont vraiment très loin pour avoir une attitude la plus soutenante, la plus bienveillante possible. Par exemple, il y a une psychologue anglaise qui s'appelle Joyce Martin qui va proposer de se coucher dans un lit avec ses patients, de les prendre dans ses bras et de les garder comme ça contre elle pendant plusieurs heures pour qu'ils se sentent bien et pour qu'à la fin de l'expérience, ils en retirent quelque chose de bénéfique. Alors ça nous paraît quelque chose de vraiment très étrange, ça l'était aussi évidemment à l'époque, mais il y a quand même un intérêt de la communauté scientifique vis-à-vis de ces recherches-là, et il y a des chercheurs, des psychiatres du monde entier qui viennent suivre la thérapie de Joyce Martin pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, cette méthodologie du set and setting, elle permettait d'avoir des résultats qui étaient très, très positifs, surtout par rapport aux chercheurs qui ne mettaient pas en place cette thérapie et qui restaient dans un modèle thérapeutique classique. Dans ce modèle thérapeutique classique-là, on n'informait pas les patients. On a très souvent des cas où la personne arrive à l'hôpital le jour même, on lui donne du LSD, ou le lendemain.
On ne lui donne pas d'informations. Moi, j'ai des études de cas dans lesquelles les patients refusent même qu'on leur donne. Ils ont très peur, ils pleurent, on leur donne quand même. Ensuite, la pièce, évidemment, est une pièce d'hôpital classique. Souvent, les patients sont laissés seuls pendant plusieurs heures. Ils peuvent hurler, pleurer, se déchirer leurs vêtements ou leurs draps. Les psychiatres n'en ont absolument rien à faire. Ils notent juste dans les comptes rendus que le patient a pleuré, a hurlé et a déchiré ses draps. Mais il n'y a pas du tout d'attention vis-à-vis de ce patient-là et de soutien quelconque. Donc, en fonction de la démarche thérapeutique qui était employée, avec cet unsetting ou sans, les résultats thérapeutiques allaient être vraiment très différents. Et au fil des années 60, alors que le LSD est de plus en plus critiqué, eh bien, les chercheurs qui mettent en place le set and setting le sont aussi, parce que leurs résultats sont perçus comme trop beaux pour être vrais, ils sont remis en question par les autres psychiatres qui ne mettent pas en place la thérapie sur le set and setting. En plus, au fil des années 60, il y a de nouvelles normes d'évaluation des médicaments qui sont mis en place, notamment l'étude contre placebo. Et l'étude contre placebo, ça ne peut pas marcher avec le LSD, puisque très vite, le thérapeute ou le patient va se rendre compte s'il a pris du LSD ou un morceau de sucre. Et puis en plus, pour que la thérapie psychédélique fonctionne bien, on ne peut pas donner simplement le LSD comme un médicament. Il faut qu'il y ait tout autour, comme je vous le disais, une thérapie particulière avec mise en place du set and setting. Et ça, on ne peut pas du tout l'évaluer contre placebo. En plus de ça, il y a beaucoup de psychiatres impliqués dans la recherche sur le set and setting qui sont plus ou moins liés avec la contre-culture de l'époque. Et ça, ça pose aussi beaucoup de problèmes quant à la crédibilité de leurs résultats. Et donc, progressivement, les études sur le LSD sont de plus en plus marginalisées et stigmatisées, d'autant plus si elles mettent en place l'attention vis-à-vis du set and setting. Et progressivement, alors que les études s'arrêtent dans les années 70, eh bien, le corps médical va associer la prise de psychédéliques ou de psychotropes de manière générale par les psychiatres comme des pratiques qui se rapprocheraient de pratiques d'addiction. Et donc, aujourd'hui, il n'y a aucune loi, par exemple en France, qui interdit l'auto-expérimentation de psychotropes, et pourtant, les médecins se censurent eux-mêmes, et c'est devenu tabou, la pratique de l'auto-expérimentation est devenue tabou dans la médecine occidentale depuis, en fait, cette affaire avec les psychédéliques. Et donc, aujourd'hui, que les études reprennent notamment dans les pays anglo-saxons, sur le LSD, sur la psilocybine, etc., eh bien, les médecins, les psychiatres, les cliniciens qui sont engagés dans cette reprise des études ont beaucoup de mal à évoquer leurs éventuelles auto-expérimentations des substances. Et pourtant, on sait que ça va avoir un impact sur leurs résultats. Et comme il leur est impossible d'en parler, on ne peut pas étudier l'impact des auto-expérimentations sur la pratique des médecins et des psychiatres d'aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible, je ne sais pas du tout si je suis dans les temps. Je vais laisser la parole à mes collègues, n'hésitez pas après à poser des questions. J'espère que tout a bien marché et que ça va continuer. Voilà, merci à toutes et à tous et à tout de suite. Bonsoir à tous. Je vais finalement prendre la suite de Zoé. Je suis Élise Grand-Georges et je voulais parler ce soir d'un courrier sur lequel je suis tombée dans les archives de Timothy Leary. C'est un courrier que Timothy Leary a envoyé en juin 1961 à Jean de. Il est intéressant parce qu'ils expriment leur position assez divergente. Je me suis permise aussi de prendre la suite à Zoé puisque mon intervention en fait va faire écho un petit peu à la sienne. Donc en juin 1961, Timothy Leary envisage un voyage en Europe. En fait, il souhaite aller au congrès de psychopharmacologie qui se déroule à Copenhague. Et il souhaite en profiter pour voyager dans plusieurs capitales européennes et notamment à Paris, où il prend contact avec un certain nombre d'artistes, mais aussi des scientifiques. Donc, c'est dans ce cadre qu'il envoie un courrier au psychiatre français Jean Delay,
où il exprime en fait son désir de le rencontrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1961, donc les deux hommes, Jean Delay et Timothy Leary, travaillent sur une substance qui est la psilocybine. Donc, juste pour dire deux mots, la psilocybine a été isolée par Albert Hofmann, à qui l'on doit aussi le LSD, au sein des laboratoires Sandoz, à partir donc, du champignon psilocybe mexicana, en 1957. Et la substance donc, est synthétisée en 1958. Elle est mise sur le marché à partir de juillet 1958 sous le nom d'indocibine, sous la forme de comprimés de 2 ou 5 mg ou bien de solutions injectables. Du point de vue de la psychopharmacologie, il y a eu quelques publications de scientifiques qui travaillaient pour la firme Sandoz, mais c'est surtout l'équipe de Jean Delay, donc à Paris, au sein de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui poursuit l'exploration donc en psychopharmacologie dans les mois qui suivent, sur des volontaires et des patients en psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne. Alors, pour faire court, on pourrait globalement synthétiser la recherche de Delay et de son équipe en 3 axes. Premièrement, l'équipe explore le modèle psychose, dont parlait tout à l'heure Zoé. Les hallucinogènes et la psilocybine pourraient mettre donc un sujet dans un état de psychose temporaire. Et le psychiatre donc, peut, grâce à cet outil, étudier toutes les phases de la folie, la nature du trouble, son mécanisme, sa structure, et aussi être en empathie donc, avec un malade. Deuxième axe de leur recherche, qui est lié au premier, le fait que le produit chimique puisse déclencher des troubles mentaux laisse supposer en fait que certaines psychoses qui apparaissent donc chez certains patients pourraient être provoquées par des perturbations biochimiques de nos humeurs. Et de ce fait, les hallucinogènes alimentent un espoir qui est celui de trouver donc des antagonistes à ces actions et peut-être des nouveaux remèdes en fait aux troubles mentaux. Et là, il faut préciser qu'en fait, Delay est un acteur majeur dans la recherche sur le traitement biochimique de la maladie. Il a notamment contribué à la mise sur le marché des premiers antidépresseurs, la chlorpromazine en particulier. Et troisième axe donc de la recherche à Sainte-Anne, la thérapeutique, mais c'est celui qui va être le moins exploré. Toutefois, les équipes de Delay notent hein, que l'hallucinogène, la psilocybine, peut faciliter la reviviscence des souvenirs à forte charge émotionnelle. Dans sa lettre à Delay, Leary revient avec insistance en fait, sur la valeur thérapeutique de la psilocybine, que lui explore hein, les mois précédents. Il expose les travaux qu'il a réalisés avec des prisonniers. C'est un programme qui est bien connu, qui est nommé le Concorde Project, qui est initié donc, dès le début de ses recherches à Harvard. Et c'est un programme pour lequel le psychologue et son équipe travaillent avec 32 prisonniers à la réhabilitation sociale par le biais de psychothérapie assistée donc, par la psilocybine. Et une remarque de cette lettre envoyée donc à Jean Delay par Timothy Leary a particulièrement attiré mon attention. C'est un peu de ça dont je souhaitais parler ce soir. Assez subtilement, Leary pointe du doigt en fait le fait que Delay n'a que peu exploré les thérapeutiques de la substance, pas assez selon lui, en rapport avec des retours d'expérience qui seraient très contrastés à Sainte-Anne. Et selon Leary, cette réception mitigée des expériences par les sujets pourrait se justifier par les dosages trop faibles du produit. Leary déclare que la dose standard qu'il utilise, lui, dans les protocoles à Harvard, est de 20 mg, alors que celle qui est utilisée par les équipes de Jean Delay est en moyenne de 10 mg. Par ailleurs, la correspondance de ces mois de la première partie de l'année 1961 de Timothy Leary atteste très généralement d'un usage de la psilocybine à des doses élevées. Dans la lettre à Delay, il évoque un dosage moyen donc de 20 mg, mais ses courriers reviennent en fait sur des expériences entreprises avec des doses qui peuvent aller jusqu'à 40 mg.
Et il y a notamment un courrier que Albert Hoffman envoie à Timothy Leary, qui date de janvier 1961, qui s'étonne en fait des dosages utilisés par le psychologue américain. Hoffman parle de dosages de 30 à 36 mg, dont lui aurait fait part Leary, et il lui demande, même s'il a testé la teneur en psilocybine des comprimés, si cette teneur en psilocybine a été vérifiée, ce qui fait état de son étonnement. Même si Hoffman, dans cette année 61, félicite par ailleurs Timothy Leary des efforts qu'il fait pour déterminer des conditions dans lesquelles des réactions positives optimales à la psilocybine peuvent se produire. Hoffman semble très optimiste quant au travail de Leary, très enthousiaste. Il évoque notamment toute la recherche que mène Timothy Leary dans ces mois-là sur le contexte environnemental de l'expérience de la psilocybine, ce qui est nommé donc, le setting. Et il faut bien souligner que Leary a participé à conceptualiser le set and setting, qu'il en est un des acteurs majeurs. Mais il y a aussi dans la recherche de Leary la question de la posologie, du parti pris d'une forte dose qui conditionnerait donc l'expérience des hallucinogènes et qui permettrait des réactions positives. Alors bien sûr, les contextes intellectuels dans lesquels évoluent Jean Delay et Timothy Leary sont très différents, très distincts. Ils travaillent selon des paradigmes qui sont eux aussi fort différents. Pour Delay, la psilocybine rejoint le rang des substances qu'il nomme psychodysleptiques. Ça, c'est une classification qu'il a établie. Ça signifie que ces substances dévient l'activité mentale. On est là donc, dans le paradigme du psychomimétique. Pardon. Pour Leary, la substance, elle est clairement psychédélique. C'est-à-dire qu'au-delà de ses possibilités pathogènes, elle a une forte valeur thérapeutique et... plus encore, selon Leary, elle pourrait être utilisée par l'homme du commun, un homme qui ne souffre d'aucune pathologie, pour accroître ses performances, modifier profondément son expérience individuelle et sociale aussi. La présentation de cette lettre, je voulais donc souligner un peu un angle mort de la recherche historique, même si c'est une question à laquelle aujourd'hui on s'intéresse. Cet angle mort a constitué certainement un frein sur la recherche thérapeutique, en tout cas en France, c'est l'importance donc accordée tant au contexte de consommation qu'au dosage de la substance. La dose, selon Leary, pourrait d'une part donc conditionner la valeur thérapeutique de la psilocybine, que la psychiatrie française n'a que si peu explorée finalement, et elle pourrait conditionner aussi, pour aller un peu au-delà, la possibilité même donc, d'une expérience psychédélique. Voilà ce dont je voulais parler ce soir. Merci donc à tous d'être présents sur YouTube. Au revoir. Bonjour, alors je crois que ça fonctionne. Oui. Alors je vais tenter, oui. Avertir la vidéo. Donc bonsoir, alors je ne sais pas si on m'entend, il y a eu un peu de problème technique, là c'était un peu laborieux. Voilà, donc apparemment on me dit que ça marche, donc je vais me lancer. Donc je suis David Dupuis, je suis anthropologue, je travaille sur la globalisation de l'usage de l'ayahuasca et plus largement sur les dynamiques sociales qui président à la reconfiguration des usages des substances psychédéliques dans nos sociétés depuis une dizaine d'années. Et j'ai notamment conduit des enquêtes de terrain en Amazonie péruvienne, où j'ai travaillé dans ce qu'on a appelé les centres chamaniques, c'est-à-dire ces institutions qui accueillent les clients occidentaux qui se rendent dans la région pour expérimenter et rencontrer l'ayahuasca. Donc j'ai suivi
ces voyageurs et j'ai travaillé dans différents centres chamaniques de la région. Alors mes travaux portent plus précisément sur les relations entre les substances hallucinogènes et la culture, les dispositifs culturels, et notamment je m'intéresse notamment à une question qui a été abordée aujourd'hui plusieurs fois, qui est la question du setting, c'est-à-dire jusqu'où les dispositifs sociaux et le background culturel peut informer la relation à l'expérience psychédélique, mais aussi même son contenu phénoménologique. Et voilà, et j'interroge ces questions-là en termes des enjeux, en termes de transmission culturelle et d'efficacité thérapeutique. Donc après ma thèse, il y a 4 ans, j'ai intégré une équipe interdisciplinaire qui s'appelle Hearing the Voice, qui est donc à l'université de Durham au Royaume-Uni, où je travaille maintenant donc depuis 4 ans. Et qui est une équipe donc interdisciplinaire qui travaille sur les hallucinations auditivo-verbales, les voix. Et j'ai dans ce contexte, donc il y a des chercheurs en sciences des religions, en sciences cognitives, en neurosciences, des anthropologues, etc. Et donc moi j'ai proposé dans ce cadre-là de lancer un projet dont je vais vous parler ce soir, où je vais vous présenter les résultats préliminaires. Donc c'est des recherches toutes fraîches qui vous sont présentées dans ce webinaire. Donc ce projet s'appelle Voice Hearing Experiences Among Ayahuasca Users. Donc l'idée était d'éclairer l'expérience d'entente de voix vécue par les usagers d'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, je prends une seconde pour présenter, je pense que tout le monde connaît, mais c'est donc ce breuvage psychotrope qui est utilisé en Amazonie occidentale, traditionnellement dans les chamanismes métis et indigènes de la région, à différentes fins culturelles, et qui a connu donc un succès depuis une vingtaine d'années dans le cadre de la globalisation et de ce qu'on a appelé le tourisme chamanique, et notamment au Pérou, donc qui a développé toutes ces infrastructures dont je vous parlais un petit peu avant. Donc, l'idée de ce projet de recherche est donc d'explorer l'expérience d'entente de voix qui peut être survenir au cours de l'usage de l'ayahuasca, la relation qui est entretenue avec ces voix, le sens qu'il aurait donné et comment cette expérience aussi est impactée par le contexte culturel qui entoure l'usage de l'ayahuasca. Alors, pourquoi je m'intéressais aux voix? D'abord parce que, comme vous le savez sûrement, dans les psychédéliques, l'usage des psychédéliques, il y a une sorte de tropisme visionnaire. On s'intéresse beaucoup aux visions, probablement parce que les sociétés occidentales qui ont porté leur regard sur ces expériences sont elles-mêmes très visuelles. Et il y avait vraiment quelque chose, un vide un peu sur la question des voix qui, moi, sur le terrain, m'a paru comme très importante, notamment comme vecteur de construction de relations surnaturelles avec des êtres habituellement invisibles, qui donc évidemment apparaissaient à travers les fameuses visions, mais avec lesquels il était aussi possible de dialoguer, de poser des questions, d'obtenir des réponses, etc. Donc j'ai voulu explorer ça, et ça s'est inscrit finalement dans un projet plus large avec Hearing the Voice, un projet comparatif qui comparerait l'expérience d'entendre de voix à la fois chez des jeunes psychotiques, chez des jeunes patients diagnostiqués psychotiques, des services de psychiatrie britanniques, et des médiums spirites du nord-est de l'Angleterre. Et l'idée était d'explorer à la fois l'étiologie des voix, ce qui les produit, leur phénoménologie, c'est-à-dire les traits qui composent cette expérience, et les soubassements neurocognitifs, en interrogeant la place des apprentissages culturels et sociaux dans ces expériences. Alors cette étude interdisciplinaire, elle croise l'ethnographie, des études, des médias comme les questionnaires, des entretiens qui vont être conduits bientôt donc avec une technique qui s'appelle microphénoménologie, que vous connaissez peut-être, et puis il y aura un pan neuroimagerie et sciences cognitives avec des travaux en psychologie expérimentale qui sont prévus dans le futur avec des collègues dont c'est la spécialité. Alors, quels sont les premiers résultats de cette étude? Je vais vous présenter les résultats très rapidement, puisqu'on a peu de temps, du questionnaire. Donc, on a la première, ce qui est là, on est à la fin des questionnaires, on commence les interviews bientôt. Et donc, on a eu à peu près 150 participants qui ont participé au questionnaire, venant de beaucoup de pays différents, principalement occidentaux et d'Amérique latine, et qui présentaient des contextes d'usage très variés. Alors, certains étaient usagés dans le cadre de groupes religieux bien connus, par exemple le centre d'Ayahuasca, personnes qui s'étaient rendues en Amazonie, qui avaient participé dans des contextes plus chamaniques, métis, d'autres avaient simplement consommé de l'ayahuasca chez eux, en Europe, en Amérique du Nord, dans des cadres soit néo-chamaniques, soit dans des cadres un peu récréatifs, on va dire. Et alors, le premier résultat montre que, comme je l'avais déjà vu sur le terrain
au cours de mes enquêtes ethnographiques que je conduis depuis une dizaine d'années au Pérou, nombre des participants, nombre des usagers d'ayahuasca qui ont été interrogés entendent des voix durant leur expérience. Alors ces voix, elles sont positives, elles sont négatives, c'est-à-dire que c'est une des choses qu'on a explorées, mais la valence positive domine, c'est-à-dire que c'est ce qui se manifeste par ces voix, elles donnent plutôt des conseils, des recommandations, elles sont plutôt soutenantes, même si on rapporte aussi des voix négatives qui sont perturbantes, un peu persécutantes, etc. Alors sur l'identité des voix, c'est assez intéressant, il y a une grande homogénéité, c'est-à-dire que la majorité des participants attribue l'origine de la voix qui est perçue pendant l'expérience de l'ayahuasca à l'ayahuasca elle-même, ou à très souvent une figure féminine, maternelle, mixte, végétale, etc. D'autres êtres hein, sont rapportés, mais avec beaucoup moins de fréquence. Il y a vraiment ce tropisme, ce trope, pardon, de la figure féminine, végétale, serpentine, qui est identifiée comme celle de l'ayahuasca, que d'autres vont aussi identifier comme étant la nature, Dieu, l'inconscient. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte dans l'étude, ça confirme de manière quantitative des choses que j'avais pu observer sur le terrain, c'est-à-dire que les techniques rituelles influent beaucoup sur certains traits phénoménologiques des voix. C'est-à-dire que, alors comme vous savez peut-être, par exemple, dans les chamanismes métis sur lesquels j'ai pu travailler au Pérou, l'ayahuasca est pris dans des cadres rituels très élaborés, qui sont notamment marqués par des chants et l'utilisation de parfums. Et ça, c'est un témoignage qui revient beaucoup, c'est que ces techniques influent sur la phénoménologie des voix. C'est-à-dire que les voix qui sont perçues se transforment, de la même manière que les visions, se transforment sous l'influence des techniques qui sont mobilisées par les guérisseurs ou les encadrants au cours des rituels. Donc là, ça nous ramène encore une fois à la question du setting, de l'impact des facteurs extra-pharmacologiques sur l'expérience psychédélique. Et là, on voit bien que on a des témoignages qui nous décrivent vraiment voilà, d'être passé à des voix et des visions très persécutantes, très négatives, à des choses très positives, simplement parce qu'un guérisseur était passé souffler un parfum, avait changé un chant, etc. Alors, une découverte plus intéressante et plus nouvelle, c'est que environ un tiers, donc on a à peu près 80% des gens qui entendent des voix pendant l'ayahuasca, et on a un tiers des personnes qui sont interrogées qui continuent à entendre des voix. Après avoir pris l'ayahuasca, et ce, sans avoir besoin de reboire l'ayahuasca. Donc, ils entendent des voix dans leur vie quotidienne, sans être sous l'influence d'aucune substance psychédélique, y compris de l'ayahuasca. Alors, là, c'est surtout des usagers experts. Ce que montrent les premières analyses, c'est que ce sont surtout des usagers experts, des personnes qui ont beaucoup utilisé l'ayahuasca depuis longtemps, et qui donc continuent à entendre des voix. Alors, là, encore une fois, on revient à des questions qui ont été évoquées plus tôt par mes collègues, voilà, sur le lien, évidemment, on fait tout de suite le lien entre la psychose et l'usage régulier, prolongé, des psychédéliques. Or, ce qui est très intéressant et ce qui apparaît dans cette étude, c'est que on est très loin des voix qui sont caractéristiques de la psychose, au sens où elles ne sont pas du tout négatives, elles ne sont pas du tout intrusives, elles ne sont pas persécutives, c'est-à-dire que le contenu n'est pas négatif, il n'est pas persécutif, et elles ne sont pas intrusives, c'est-à-dire qu'elles ne se manifestent pas comme ça, en pleine conversation, alors qu'on veut faire une conférence, par exemple, mais que les participants témoignent d'une capacité à produire ces voix, à pouvoir les produire un petit peu on demand. Et donc, on voit qu'il y a une capacité de produire des hallucinations acoustico-verbales à la demande et d'en contrôler le contenu. L'intensité, la dynamique émotionnelle, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on est tout à fait aux antipodes de la psychose, où au contraire, les voix sont vécues comme très déroutantes, intrusives, et où ce qui suscite beaucoup d'angoisse chez le sujet, c'est que justement, il n'y a pas de contrôle sur à la fois le surgissement de la voix et son contenu. Et alors, ce qui apparaît pour l'instant, et ça va être l'objet d'enquêtes plus poussées, c'est que les participants apparemment mobilisent des techniques qu'ils ont apprises pendant les pratiques rituelles auxquelles ils ont participé, notamment dans les initiations chamaniques, et ils les mobilisent chez eux. Là, on pense notamment aux patients occidentaux qui reviennent dans leur pays, qui continuent à entendre ces voix, et il semblerait que les techniques qu'ils ont appris à mobiliser pendant leur initiation sont encore utiles et efficaces dans ces voix qu'ils entendent après. Alors, c'est quoi ces techniques? C'est des choses qui ont été documentées déjà par les travaux ethnographiques. Voilà, simplement, on apprend par exemple, à s'adresser aux voix, à repousser certaines voix. Et dans l'apprentissage chamanique, globalement, quand les Occidentaux viennent s'initier à ces pratiques,
Très souvent, les guérisseurs, les encadrants apprennent aux participants à distinguer certaines voies, à distinguer certaines visions, comme certaines qui doivent être cultivées, d'autres qui doivent être repoussées. Et on apprend comme ça, peu à peu, à repérer certaines voies, certaines visions qui sont négatives, à les repousser, à cultiver d'autres, en, par exemple, se concentrant sur les chants des guérisseurs, sur des artefacts, ou en s'adressant directement aux voies pour congédier certaines ou pour appeler d'autres. Et donc, les étapes suivantes de l'étude, on va essayer d'explorer évidemment ces techniques hein, de production et de contrôle des voies qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre par les usagers experts d'ayahuasca et d'explorer notamment, à parler avec les collègues, leur soubassement cognitif, neuronaux. Et moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'explorer donc, en tant qu'anthropologue, leur mode d'apprentissage et la manière, encore une fois, dont les contextes interactionnels vont permettre de contrôler, dans une certaine mesure, l'expérience hallucinatoire. Le projet aussi vise à interroger les applications cliniques pour le traitement de la psychose, puisqu'on pourrait, on pourrait se demander, j'ai une publication qui est sortie il n'y a pas longtemps sur ce sujet, où voilà, on interrogeait un petit peu l'application potentielle de ces techniques pour des traitements non pharmacologiques de la psychose, et donc ce qui pourrait être particulièrement intéressant pour des sujets qui réagissent peu ou mal au traitement, et donc il y aurait là l'idée de monter des partenariats avec des groupes d'usagers de la psychiatrie, notamment le réseau international des entendeurs de voix, qui sont des groupes de pairs de sujets souvent diagnostiqués comme psychotiques, et l'idée donc de collaborer avec eux et d'expérimenter avec eux les techniques qui sont apprises et mobilisées par les usagers experts d'ayahuasca afin de contrôler les voix et de voir dans quelle mesure elle pourrait être utile aux patients. Et ça, on est assez encouragé dans cette direction-là par l'émergence au Royaume-Uni de thérapies qui sont dites relationnelles, comme les thérapies avatars, par exemple, qui sont aux antipodes de la psychiatrie classique, où on invite habituellement les patients à congédier les voix, à ne surtout pas les écouter, à faire comme si elles n'existaient pas. Et on se rend, et là, il y a tout un courant qui émerge autour de ce qu'on appelle les thérapies relationnelles, qui invite au contraire à s'adresser aux voix, à entrer en relation avec elles, et on se rend compte que c'est ce que font aussi les usagers d'ayahuasca. Et c'est par là notamment qu'ils parviennent à maîtriser dans une certaine mesure les caractéristiques phénoménologiques des voix qui continuent à entendre. Voilà, je ne vais pas dépasser mon temps, donc je crois que je vais m'arrêter ici. Voilà, merci de votre attention, j'espère que vous m'avez entendu. Voilà. Merci, bonne soirée. Eh ben, on me signale. Parfait. Eh ben, on me signale que on voit et qu'on m'entend. Donc, bonsoir à tous déjà. Je voudrais commencer par remercier toute l'équipe de la SPF d'organiser ce webinaire. C'est un exercice un petit peu nouveau pour moi, mais en espérant que ça ne devienne pas trop la norme au cours des mois à venir. Donc je me présente, Christian Alcock, je suis historien. Depuis 10 ans, je travaille sur l'histoire du LSD, des substances psychédéliques, ainsi que sur l'histoire du mouvement psychédélique américain. J'ai un livre sur l'histoire du LSD à New York qui est dans sa dernière ligne droite, on va dire. Je viens à l'instant aussi je viens il y a quelques jours de lancer un projet, un appel à contribution pour une histoire mondiale des substances psychédéliques. Il y aura très certainement une contribution, voire deux contributions se focalisant sur la France et à ce sujet. C'est vraiment un plaisir de voir que on est en train de en France aussi, de retracer cette histoire extrêmement complexe et fascinante. Un dernier petit coup de pub également pour la société psychédélique lyonnaise, dont je suis le cofondateur avec Martin et Cali, qui sont en train de nous regarder ce soir. On a notre premier événement qui arrive demain sur Lyon, une conférence en bonne et due forme avec des chaises, des êtres humains. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, OK. Donc, c'est voilà, vraiment très excitant de voir qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent en France, enfin. Bref, voilà pour les présentations. Donc, sans transition, ce soir, je vais
vous parler de Nina Graboy, une figure oubliée, méconnue du mouvement psychédélique américain et de la culture psychédélique des années 60. Et il me semble que c'est une discussion intéressante à avoir aujourd'hui, un moment où la question du genre et de l'égalité du genre est en train de devenir un sujet important au sein de la communauté psychédélique internationale. Alors c'est vrai que en histoire, quand on regarde la plupart des histoires qui s'intéressent à l'histoire des psychédéliques aux États-Unis, c'est sûr que la plupart des histoires sont dominées par les hommes et que les hommes ont souvent plutôt des rôles en coulisses, hein, que ce soit au sein des équipes de recherche, des psychiatres, hein, ou que ce soit dans le mouvement psychédélique, voire même dans la contre-culture. Alors, ça c'est... Alors avant de jeter la pierre aux historiens, je pense qu'il faut garder à l'esprit aussi que ça reflétait les réalités sociales de l'époque. Mais ça c'est encore une autre discussion, mais ce que je voudrais vous faire partager aujourd'hui, c'est justement ce rôle qu'a eu cette femme-là, Nina Graboy, qui a eu plus qu'un rôle en coulisses, hein, comme je l'ai suggéré juste à l'instant. C'est quelqu'un qui était très impliqué dans le mouvement psychédélique et la contre-culture new-yorkaise. Je vous recommande d'ailleurs très chaleureusement son autobiographie, One Foot in the Future. J'ai pas réussi à vous montrer des images là pour cette présentation, mais je pourrais les faire circuler par ailleurs. Et donc là, toute la présentation que je fais aujourd'hui, vous pourrez la retrouver sur shakpuna.net incessamment sous peu. C'est un poste qui va faire partie d'une série sur les perspectives des femmes dans l'histoire des psychédéliques. Voilà pour le contexte. Donc Nina Graboy, c'est une immigrée juive d'Autriche qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va fuir le Troisième Reich, va fuir le Troisième Reich et va s'échapper de justesse. Elle va arriver à Manhattan avec son mari. Et donc ils vont s'installer à Manhattan, ils vont monter une petite affaire qui devient grande, qui prospère. Ils se retrouvent à employer beaucoup de monde et puis très vite, ils se retrouvent dans une situation assez aisée. Ils font construire une grande maison sur Long Island, ils emploient des domestiques, ils organisent des soirées très mondaines. Et pendant que toute cette routine s'installe, Nina Graboy, là, elle se dit, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ma vie. Elle a du mal à trouver, à donner un sens à sa vie. Elle a l'impression de vivre quelque chose de très creux. Et donc, c'est le lot quotidien de beaucoup de femmes aux États-Unis à cette époque-là. On est dans le contexte de la guerre froide avec certaines doses de conformisme et de conformité. Et donc, elle va, pour combler ce manque qu'elle a dans sa vie, elle va se tourner vers des formes de spiritualité alternatives, principalement le bouddhisme et l'hindouisme. Et au début des années 60, elle découvre les substances psychédéliques. Alors, pour elle, c'est quelque chose d'absolument fascinant parce que c'est des substances qui lui permettent d'atteindre des états de conscience pour elle qui sont inimaginables. Dans la foulée, elle apprend que il y a un psychologue à Harvard qui fait des expériences un petit peu particulières. Bien sûr, on parle de Timothy Leary. Et dans un premier temps, elle se méfie beaucoup de lui. Elle voit que c'est quelqu'un d'assez narcissique, qui a aussi un goût très prononcé pour les aventures extra-conjugales. Mais petit à petit, au bout du compte, les deux personnes vont se rencontrer, Graboy et Leary vont se rencontrer et ils vont se lier d'amitié, une amitié très forte, réelle, pas une amitié à sens unique. Leary, c'est quelqu'un qui... J'étais en train de dire que Leary et Graboy vont finir par se rencontrer, se lier d'amitié, une amitié très
très vrai, hein, entre guillemets, et qui va dépasser, enfin, qui passe pas par le genre de relation que Liri pouvait avoir avec pas mal de femmes. Et donc, Liri lui fait tellement confiance qu'il va lui confier un rôle assez important. Avant de rentrer là-dedans, je vais vous donner un petit peu de contexte par rapport à son histoire personnelle pour voir un petit peu ce qu'il a poussé justement à cette collaboration avec Graboi. Donc, Liri, en décembre 65, il est arrêté à la frontière mexicaine en possession de cannabis. Donc, il est arrêté et derrière, il prend 30 ans de prison. Et donc, il décide de faire appel. Il décide d'aller jusqu'à la Cour suprême. Et donc, son angle d'attaque, entre guillemets, pour essayer de faire tomber cette peine, c'est de dire, ben, en tant que hindou qui pratique cette religion, je devrais avoir le droit légal d'utiliser des substances sacrées comme le cannabis et tous les psychédéliques. Et donc, dans la deuxième moitié des années 60, Liri se présente comme un gourou, comme un père spirituel, voilà, une figure religieuse, et il a ce vocabulaire religieux qui est très très présent. Et donc, pour montrer qu'il est sincère dans cette pour essayer de présenter l'expérience psychédélique comme quelque chose qui devrait être garanti par la Constitution, et il va fonder une église qui n'est pas vraiment une église, c'est plutôt une organisation qui a pour vocation d'informer sur les substances psychédéliques et l'expérience psychédélique. Donc, il fonde la League for Spiritual Discovery. Donc, je vous laisse deviner l'acronyme. Donc, cette ligue, elle est officiellement incorporée comme religion. Et dans la foulée, Liri se dit, ben, ce serait bien qu'on ait un centre, quelque chose de physique, ici à New York, pour accueillir les personnes qui s'intéressent aux psychédéliques. Et pour créer un espace de partage. Et donc, entre-temps, il a rencontré Graboi, ils sont devenus amis. Il lui dit, bah, écoute, j'aimerais que ce soit toi qui sois la directrice de ce centre, parce qu'il s'aperçoit qu'elle a des capacités à communiquer qui sont très bonnes, et que elle avoisine la cinquantaine, et puis il pense qu'elle peut faire la passerelle entre les plus jeunes générations, les baby boomers qui expérimentent avec le LSD, et les plus anciennes générations qui ne voient pas ça d'un très bon œil. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'histoire de Graboi et de son implication là dans cette ligue est importante? Bah, premièrement, quand on regarde la littérature justement qui s'intéresse à cette histoire-là, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passait dans ce centre-là, donc à Manhattan. Et là, donc dans l'autobiographie de Graboi, One Foot in the Future, que je vous recommande chaleureusement, on en sait beaucoup plus, elle, justement, du fait de son rôle de directrice. Donc, pour vous donner une idée de l'ambiance qui pouvait régner là dans ce centre, une petite très brève citation d'un peintre psychédélique new-yorkais du nom de Martin Carey, qui un jour se rend dans le centre et puis il observe. Il dit il y avait une machine à lumière près de l'entrée et un disque de musique indienne qui tournait. Il y avait des bougies et de l'encens. Il y avait Richard Alpert. Donc Richard Alpert, c'était un autre psychologue à Harvard qui collaborait avec Liri. Richard Alpert qui donnait une conférence, et des posters de Tim Liri sur les murs. Alors, au-delà de cette atmosphère là de sérénité, donc dans laquelle beaucoup de New-Yorkais de la contre-culture locale viennent méditer, il y a des sessions des séances de méditation quotidiennes. Donc, en plus de ça, c'est aussi un endroit pour la contre-culture locale, la contre-culture new-yorkaise. Donc, Graboi, elle va remarquer qu'il y a pas mal de jeunes gens, enfin de jeunes baby boomers aux cheveux longs. Là, on est dans les années 60 où les styles vestimentaires et
les cheveux sont en train de sont en pleine transformation. Et puis elle qui s'occupe des qui gère les finances de la ligue et puis de ce centre là, elle envisage d'acheter des chaises pour le centre pour que tout le monde puisse s'asseoir confortablement. Mais elle se dit non, finalement ça sert à rien, ça va plomber nos finances. Et puis en plus les chaises, voilà, ça vient de l'ancien monde, de ce monde-là qui existe en dehors de notre enclave. Tout le monde s'assiera par terre, ce sera très bien. Et en plus de ça, donc comme je le disais juste un petit peu avant, Graboi, elle va faire en quelque sorte le lien avec le monde extérieur. Donc elle est très douée pour faire la passerelle entre la contre-culture dans ce type d'enclave-là. Et puis le reste de la société new-yorkaise qui pense que ce centre là, c'est le centre de cette League for Spiritual Discovery, c'est un endroit où on peut prendre toutes sortes de drogues alors qu'il y a une politique de tolérance zéro, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis elle va même rencontrer des parents, des représentants de l'ordre qui vont venir se documenter chez elle parce que voilà, elle a ce bon contact avec le monde extérieur. Donc ça, c'est une chose. L'histoire de Graboi aussi, je la trouve vraiment très intéressante parce que ça illustre une fois de plus le pouvoir transformateur des psychédéliques. Et là, je vous apprends certainement rien. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que on a un cas qui est que je trouve assez peu documenté, d'une femme qui va s'affranchir de tous les stéréotypes liés au genre qu'on pouvait trouver dans la société américaine des années 50 et 60. Après son expérimentation, elle voit ça comme quelque chose de faux, d'hypocrite, quelque chose qu'elle va rejeter. Donc elle va arrêter de se maquiller, elle va arrêter de porter des chaussures à talons. Elle va aussi divorcer son mari, avec qui le courant ne passait plus, mais on, auparavant, elle n'osait pas trop à cause du quand dira-t-on, mais là, ça devient tellement évident que voilà, elle s'affranchit de tout ça. Et accessoirement, elle va même fermer son compte en banque définitivement. Et puis, troisièmement, on parle très souvent de Leary et de son culte de la personnalité et de son narcissisme et puis de son appétit pour les relations extra-conjugales. Mais Graboi, elle va résister à ce culte de la personnalité. Elle trouve ça assez ridicule. À côté de ça, Leary, comme je vous disais, il ne la traite pas comme un simple objet sexuel. Il y a vraiment une relation d'égal à égal. Et donc, pour vous illustrer, je vais terminer là-dessus, la façon dont elle résiste ce culte de la personnalité. Pendant les rénovations de ce centre, de la League for Spiritual Discovery, il y a pas mal de jeunes qui viennent aider, qui viennent donner des coups de main pour voilà, toutes sortes de rénovations. Et donc, sur le plafond, il y a comme des grandes plaques en bronze, des très belles plaques en bronze qui sont là. Et un jour, elle rentre dans ce centre-là, au moment des rénovations, et puis elle voit ces deux jeunes là en train d'essayer désespérément de recouvrir toutes ces plaques pour les cacher. Et puis alors, elle leur dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Elles sont magnifiques, ces plaques. Pourquoi vous voulez qu'elles disparaissent ?» Et donc, eux répondent « Ben, Tim Leary nous avait dit que tous les objets métalliques devaient retourner sous terre. » Parce que Leary, il est dans cette logique un peu pastorale de retour à la nature. Tout ce qui est métallique, tout ce qui est de béton, c'est mauvais, ça doit être enfoui. Et Graboi, elle trouve ça ridicule, elle éclate de rire et puis elle se dit, elle désespère un petit peu de ce narcissisme de Leary. Merci d'être présent ce soir. Continuez bien et à bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être resté. Merci d'être là. C'est un peu stressant. C'est notre premier webinaire. On a eu des petits pépins techniques. Donc, je vous remercie d'avance pour votre compréhension, votre indulgence. En tout cas, c'est un peu excitant de démarrer cette nouvelle époque où on va plus se voir que par Internet. Bon, bref, voilà, je voudrais vous parler
des usages anciens de psychédéliques. Ça me changera un peu, parce que je sors un peu de mon véritable domaine d'expertise, qui est normalement l'histoire de la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique à partir des archives qui sont en France. Mais j'ai eu envie de vous proposer de réfléchir ensemble à ce thème, qui donc me fait sortir de mes petites habitudes. Et pourquoi ça ? C'est d'abord une interrogation que j'ai face à une tendance fréquente à avoir recours à l'ancienneté supposée des usages des psychédéliques pour justifier leur emploi en médecine, ou encore pour demander leur décriminalisation. Comme si le fait que ces usages étaient très anciens constituait un argument de poids face à d'autres considérations relevant, par exemple, de la liberté de conscience ou encore de la nécessité de mieux prendre en charge certaines maladies. D'autre part, ce qui m'a donné envie de parler de ces usages anciens de psychédéliques, c'est une conversation passionnante qui avait eu lieu sur Facebook, figurez-vous, entre différents chercheurs et le philosophe et anthropologue Martin Fortier, qui nous a malheureusement quittés au mois d'avril dernier, et à qui j'aimerais rendre hommage. Et Martin Fortier avait posté sur sa page Facebook une publication scientifique qui porte sur les effets positifs sur l'humeur des expériences psychédéliques. Et cette publication commençait comme cela. Pendant des millénaires, les substances psychédéliques naturelles ont été utilisées par les cultures indigènes dans des contextes médicinaux et, ou spirituels. Voilà, donc cette idée que les psychédéliques sont utilisés depuis des millénaires par les indigènes. Et Martin avait écrit ceci. Pourquoi ont-ils estimé qu'ils devaient commencer par une déclaration aussi grandiose et inexacte ? Et s'en était suivi donc une conversation passionnante sur l'hypothèse d'un usage archaïque des hallucinogènes, pour reprendre les termes de Martin. Et je ne vais pas la résumer ici, mais en gros, ce que Martin dit, c'est qu'en l'absence de preuves archéologiques, cette hypothèse ne repose que sur des interprétations très spéculatives et un certain d'éléments iconographiques ou philologiques. Et en plus, quand on dispose d'éléments archéologiques, comme par exemple du peyote qu'on a pu trouver dans des tombeaux au Texas, des tombeaux datés d'il y a 6000 ans, ça ne prouve pas non plus de façon irréfutable qu'il y avait un usage hallucinogène de cette plante. Ça pouvait être autre chose. Si on prend des petites doses, ça peut être des anti-inflammatoires pour les articulations, la plante peut aussi avoir une autre valeur. Bref, ça ne prouve pas qu'on l'a mangé, cette plante. Donc, je trouve que c'est une position raisonnable. Par exemple, si les archéologues du futur découvraient le nombre de ronds-points en France où il y a des brugmansia, vous savez, ces datura arborescents, qui sont des hallucinogènes puissants et dangereux. Donc si les archéologues du futur, ils se disent « Tiens, il y a plein de pollen de Brugmansia là, dans ces structures circulaires », est-ce qu'il faudrait pour autant qu'ils en concluent que les Français de la fin du XXe et du début du XXIe siècle avaient une consommation effrénée de datura ? Non. Donc je vous propose d'examiner ensemble quelques exemples d'interprétations iconographiques, archéologiques, historiques qui sont courantes, hein, qu'on rencontre fréquemment. Je ne pourrais pas être exhaustif. Et puis, j'essaierai de conclure en questionnant ce besoin d'avoir à justifier de l'ancienneté de l'usage des psychédéliques pour légitimer l'intérêt qu'on leur porte. Donc, je vais essayer, voilà, mon écran normalement est bien partagé. Je pense que ça va. Et commençons. Oups, ça c'était ma première slide. Donc, pendant tout ce temps-là, vous auriez dû avoir cela, excusez-moi. C'était ma slide de titre, je me suis un peu embrouillé. Donc, voilà ce dont avec quoi je voulais commencer. Donc cette image, une peinture rupestre qui se trouve en Algérie. Donc vous voyez d'un côté en couleur, c'est la photo donc d'une figure anthropoïde quelque part en Algérie donc, et en noir et blanc, c'est un dessin qui a été réalisé par Kathleen Harrison McKenna. Et ce personnage est souvent décrit comme un chaman abeille. Qui tient des champignons, des hallucinogènes bien sûr, et couvert de champignons. Donc passons sur cette insolite histoire d'abeille.
Mais regardons plutôt la différence, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur votre écran, entre ces formes-là et les champignons sur le dessin. Franchement, est-ce que vous trouvez que sur la photo, ça ressemble à des champignons ? Moi, j'ai quand même un gros doute. Sur le dessin, par contre, c'est très clair. Alors, le dessin a été fait d'après un livre, hein. Il n'a pas été dessiné sur place. Donc, est-ce que c'est un dessin qui a été exécuté de bonne foi ? Ou bien, est-ce qu'il ne cherche pas absolument à nous persuader qu'on a affaire à des champignons ? Personnellement, je ne considère pas que cette peinture rupestre constitue une preuve robuste et irréfutable d'un usage de champignons hallucinogènes en Algérie, sur le plateau du Tassili, il y a 7000 ans. Ça, c'est quand même un peu exagéré, je trouve. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise en Espagne, près du village de Villar del Rumo. Et ces peintures rupestres, vieilles de 6000 ans, celles-là, ont été interprétées comme des formes de champignons à psilocybine. C'est vrai que quand on a déjà vu les petits psilocybes semi-lancéata, ceux qui poussent dans nos prairies, avec le pied parfois un peu tortillé, on peut se poser la question. Mais moi, j'ai déjà vu des graffitis obscènes dans les toilettes des collèges, les toilettes des bars ou des aires d'autoroute. Quand on voit ces deux-là, vous savez que les fameux mushroom stones, bon, ça, c'est pas une vraie, bien sûr. Les sculptures en basalte qu'on a déterrées au San Salvador, au Guatemala, on les a d'abord interprétées comme des symboles phalliques avant de se rendre compte que c'était des champignons. Là, je vous invite à regarder l'image. Je me demande si c'est pas l'inverse. C'est peut-être des symboles phalliques qu'on prendrait pour des champignons. Et puis, si ça se trouve, ce sont des flèches, parce que par ailleurs, on a pas mal d'animaux gibiers, des sortes de bovidés. Donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des symboles phalliques, des champignons, des flèches ? Je crois qu'il faut se résigner. On ne pourra jamais être véritablement sûr et certain de quoi que ce soit. Et considérer avec certitude que ces peintures représentent des psilocybes serait, à mon avis, exagéré. J'avoue que j'ai bien envie d'y croire. Mais franchement, sur cette seule base, on ne peut pas en être certain du tout. Donc, un autre lieu commun. Je ne vais pas me faire que des amis avec cette présentation, parce que c'est un peu le rabat-joie, mais un autre lieu commun, ce sont les mystères d'Eleusis dans la Grèce antique. C'est vrai que quand on lit le bouquin de Gordon Wasson, Albert Hoffman et Karl Ruck, on peut être tenté de croire qu'il y avait une potion psychédélique à base d'ergot du seigle qui était donnée aux initiés, une sorte d'acid test antique. Les textes qui nous sont parvenus disent qu'il y avait une espèce de menthe, la menthe poulio, et de l'orge dedans, dans le kikéon, donc la fameuse potion initiatique, mais aucune mention de l'ergot du seigle ni de champignons. Est-ce que c'était des ingrédients secrets ? Si ça se trouve, il n'y avait même aucun ingrédient psychoactif dans la potion. Rappelons qu'il existe dans la littérature ethnologique de nombreux exemples de manifestations psychophysiques qui sont déclenchées sans avoir recours à des substances psychotropes. Donc si ça se trouve, il n'y avait pas d'agent psychotrope là-dedans. Et pourquoi le mystérieux ingrédient psychoactif, donc s'il y en avait un, pourquoi il n'aurait-il pas pu être utilisé dans d'autres contextes sans nécessité de garder la chose secrète ? Hein, puis quand même, une potion psychédélique secrète qui reste secrète pendant près de 2000 ans. Et curieusement, et sauf erreur de ma part, les défenseurs de la théorie d'un Eleusis psychédélique, ils ne prennent pas la peine d'examiner les autres cultes à mystère de l'Antiquité. Alors, si jamais je me trompe, je veux bien qu'on me dise, mais il y avait d'autres cultes à mystère, il n'y avait pas que les mystères d'Eleusis, mais c'est seulement dans les mystères d'Eleusis qu'on va essayer de traquer ça. Bon, bref, pour revenir à l'iconographie, voilà, je vous propose de regarder l'image là que j'ai mise. C'est un fragment de stèle funéraire qui a été appelé l'exaltation de la fleur. Donc, c'est un bas-relief qui a été trouvé à Pharsale, en Grèce, en 1863. On peut l'admirer au Louvre. Hein. D'ailleurs, avec Élise Grand-Georges qu'on a entendu tout à l'heure, on est allé au Louvre exprès pour la voir. Est-ce qu'on peut pas faire un événement de la société psychédélique autour de ça ? Bon, bref, passons.
Donc, il est en couverture là, du livre de Wasson, Hoffman et Ruck, hein, vous reconnaissez. Et il est donc souvent, ou parfois en tout cas, interprété comme étant Déméter et Perséphone qui se passent de main en main des champignons hallucinogènes, bien entendu, qui permettent de passer du monde ordinaire aux enfers où Perséphone est censée passer la moitié de l'année auprès de son époux, Hadès. Mais finalement, rien n'indique qu'il s'agisse vraiment de Déméter et Perséphone. C'est marqué nulle part, hein, c'est une interprétation. Rien ne l'indique. Et puis le bas-relief est quand même un peu abîmé, hein, vous voyez, au niveau des visages. Qu'est-ce qu'ils tiennent? Est-ce que c'est peut-être juste simplement des fleurs, hein? C'est ça à l'origine que les archéologues ont pensé. Peut-être un motif de fleurs trilobées qu'on retrouve par ailleurs, ça pourrait être cela. On a pu penser que c'était des fleurs de grenade ou des fleurs de pavot. Bon, moi aussi, cette histoire, j'ai envie d'y croire. Mais franchement, on ne peut pas en être certain du tout. Je fais un peu mon rabat-joie. Il semble que le degré de certitude est quand même beaucoup plus important en ce qui concerne les usages de champignons hallucinogènes en Amérique centrale et au Mexique. Donc voilà les fameux mushroom stones des hautes terres du Guatemala et du San Salvador, fabriqués vers 1500 avant notre ère ou vers plus 500 pour les plus récentes. Et en plus, on dispose quand même d'un peu de littérature, hein, pour décrire les usages des champignons à psilocybine lors de l'invasion du pays aztèque, enfin du Mexique, par les Espagnols. Donc ces usages au XVIe siècle, ils sont différents des usages qu'on a redécouverts au XXe siècle, parce qu'on a redécouvert des cérémonies, disons, nocturnes, discrètes, dans les montagnes reculées, tandis que les Espagnols ont observé vraiment d'autres choses, hein, des consommations collectives, parfois festives, notamment quand le roi Moctezuma le deuxième s'est fait couronner. Il y avait donc ces grandes fêtes avec des champignons, suivies parfois d'auto-sacrifices, ce qui a beaucoup impressionné les Espagnols, et puis aussi, bien sûr, des consommations divinatoires. C'est décrit aussi dans la littérature du XVIe siècle. Et Gordon Wasson a commenté ces textes, ces objets, tout ça, et ces pages de codex aussi. Tout ça, c'est facilement disponible en ligne. Alors, il y a une mine d'or qui existe, c'est le site de Giorgio Samorini. Je me demande s'il n'est peut-être pas en train de nous écouter, parce que j'ai vu qu'il avait liké sur Facebook. Donc, c'est bonsoir, monsieur Samorini. Merci pour votre site. Et donc, comme le temps presse, hein, passons, comme ça c'est bien connu, on va passer à la question plus épineuse de l'ayahuasca. De quand date l'ayahuasca? Donc, si vous vous documentez sur l'ayahuasca dans des livres de vulgarisation sur ce breuvage, amazonien, ou plus généralement, enfin, il y a des livres en français, hein, sur le pouvoir thérapeutique des hallucinogènes, ou alors si vous vous renseignez auprès des personnes qui travaillent dans les centres de retraite d'ayahuasca, c'est fort possible, hein, vous risquez fort d'entendre que l'ayahuasca est consommé en Amazonie depuis des millénaires. J'ai lu ça dans des livres. Parmi les personnes qui citent leurs sources, hein, quand elles affirment cela, elles indiquent une découverte archéologique qui a lieu en Équateur, des poteries qui datent de plusieurs millénaires. Voilà, je veux dire, on a trouvé de l'ayahuasca dedans. Non. Contrairement à ce qu'on peut lire ça et là, notamment dans ces livres en français, hein, rien dans la découverte de ces poteries n'indique qu'il s'agisse qu'il y a un rapport avec l'ayahuasca. Ça n'a rien à voir avec l'ayahuasca. On n'a pas fait d'analyse, c'est juste des poteries. On a trouvé des poteries qui datent de plusieurs millénaires en Équateur, c'est vrai, mais tout le reste, c'est pure affabulation. Par contre, si l'on en croit l'anthropologue et ethnomusicologue autrichien Bernd Brabeck de Mori, l'ayahuasca, en fait, était découvert certainement plus récemment. En fait, on ne peut pas savoir quand il a été découvert, mais on peut savoir à peu près où. C'est une petite région, aux confins du Pérou et de l'Équateur, près des rivières Putumayo et Napo, et son usage ne s'est répandu dans le bassin amazonien que relativement récemment. Peut-être à partir du XVIIIe siècle seulement. Donc cet anthropologue, Bernd Brabeck de Mori, a notamment étudié l'origine des mots et des chansons associées à l'usage d'ayahuasca en Amazonie, et bien sûr la littérature ethnographique, arrivée à cette conclusion. Selon lui, l'ayahuasca n'aurait franchi la frontière brésilienne qu'à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Ce sont ensuite les missions catholiques et l'exploitation du caoutchouc qui ont facilité sa diffusion. Donc, pour conclure,
Dès que vous entendez parler de l'expertise millénaire des Amérindiens en matière d'ayahuasca, méfiez-vous. Personnellement, je serais soulagé quand on en aura fini avec ce cliché qui veut que les peuples des forêts tropicales perpétuent des traditions qui n'ont pas ou peu changé depuis des siècles, voire des millénaires, comme s'ils étaient figés dans le passé. C'est vraiment condescendant de voir les choses comme ça, en plus d'être faux. C'est aussi condescendant que de les qualifier de peuple premier, de peuple racine ou que sais-je encore, puisque le terme primitif est passé de mode chez les personnes qui n'arrivent pas à imaginer que la culture, les pratiques, les langues des peuples des forêts tropicales changent avec le temps, comme partout ailleurs. Donc aussi, quel besoin a-t-on de justifier d'un usage ancien des champignons à psilocybine en Amérique centrale et au Mexique pour justifier, enfin, comme pour légitimer la recherche médicale? Entre le Mexique antique, le Mexique contemporain, l'Europe à la Renaissance, au début des temps modernes, l'Europe contemporaine, les conceptions des maladies, des causes des maladies, donc la logique des remèdes pour régler les problèmes, ça n'a absolument rien à voir. Et puis, n'oublions pas l'importance des usages amérindiens pour la divination et le diagnostic de ces champignons. Donc, puisque notre société contemporaine est très différente des sociétés du passé, qu'elle soit préhistorique dans le Tassili ou dans la Grèce antique, très différente des sociétés amérindiennes, etc., je serais très heureux si on pouvait prendre du recul sur certains clichés qui sont encore très souvent véhiculés sur les psychédéliques et peut-être consacrer plus de temps et d'énergie à essayer de trouver comment on pourrait les accueillir raisonnablement ici et maintenant. Je veux dire, au-delà des usages thérapeutiques, réfléchir à une bonne façon de les intégrer dans notre société, ici et maintenant. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire à la société psychédélique française. Et voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres webinaires et le plus vite possible en vrai. Et on se retrouve tout de suite pour la séance de questions. Merci encore à tous d'être restés et d'avoir été là. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Merci infiniment. Et je m'arrête là. Il y a des questions. Je vais lire les emails qu'on m'envoie pour essayer de gérer notre premier webinaire. Alors, peut-être une question pour qui ? Alors, j'ai plein de mails avec différentes questions. Et Romain, est-ce que tu peux envoyer un mail avec toutes les questions sur le même mail ? Sinon... Alors, si tu veux, Vincent, en attendant que tu regardes les questions, je peux prendre le relais, il y avait une question pour moi. Ah parfait, ben, je t'en prie, vas-y. Comme ça, je te laisse un peu de temps. Sur le chat, il y a une personne qui demandait si les auto-expérimentations, c'était seulement dans la médecine occidentale ou s'il y avait des exemples dans la médecine asiatique ou amérindienne. Alors moi, je travaille seulement sur l'usage de LSD en France, dans les années 50 et 60. Donc, mes exemples sont tirés principalement de la médecine française. Évidemment, comme la majorité des recherches qui ont été menées à cette époque-là sont anglo-saxonnes, je connais très bien aussi les comptes rendus scientifiques qui ont été faits dans les revues anglo-saxonnes. En revanche, la médecine asiatique, amérindienne ou africaine de cette époque-là est assez mal connue. Aucune idée de si le LSD avait été employé à ce moment-là en Asie, en Afrique ou en Amérique. Peut-être que d'autres intervenants pourraient répondre à ma place. En tout cas, ce dont moi j'ai parlé, ça, c'était vraiment spécifique à la médecine occidentale et ces recherches, elles ont impacté uniquement la médecine occidentale. La pratique des auto-expérimentations et les recherches sur le 7-1-7-in qui en ont découlé ont beaucoup influencé la psychiatrie, notamment l'antipsychiatrie en fait, des années 60. Mais la médecine, notamment orientale, asiatique, était déjà beaucoup plus tournée vers le corps. Donc voilà, ça a certainement moins influencé la médecine asiatique dans ce sens-là. Je laisse la parole peut-être à d'autres intervenants si vous avez des compléments d'information à faire ou si vous voulez répondre à vos questions. Peut-être une question pour Valérie. Je ne sais pas si... Parce qu'il y a une question sur la salvia divinorum. A-t-elle des intérêts thérapeutiques prouvés notamment neurologique, nous demande un ou une de nos téléspectateurs, Tris.
Valérie, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, pas à ma connaissance, enfin, c'est-à-dire que ça n'a pas été étudié à ma connaissance. En tout cas, ce n'est pas des articles sur lesquels je suis tombée. Et si ça a été étudié, ce n'est pas quelque chose de très commun. Donc, pour le moment, on est vraiment encore sur les psychédéliques dits classiques, comme je les ai présentés, donc LSD, psilocybine, ayahuasca, DMT. On commence sur le 5-MeO-DMT, mais voilà, je pense que c'est encore le début hein, du renouveau de cette recherche. Alors après, je parle de la recherche moderne. Je ne sais pas, dans les années 60-70, il y a eu peut-être plus de recherches à ce niveau-là. Mais en tout cas, pas à mes connaissances, désolée. Ok, il y avait une question pour David. Est-ce qu'il y a des publications sur cette histoire d'entente de voix et d'ayahuasca? Alors, l'étude, là, est juste en train de démarrer, enfin, est en cours, donc il n'y a pas encore de publication, mais il y a un article dont j'ai parlé qui pose un peu les enjeux de ces questions-là, qui a été publié sur un papier un peu grand public, qui a été publié dans une revue en ligne qui s'appelle KAHPI, c'est écrit K-A-H-P-I, et peut-être même que je peux vous mettre le lien ici, je ne sais pas si ça a marché. Voilà, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, mais sinon vous trouvez en ligne, sinon si vous tapez mon nom sur internet, vous arrivez sur une page où il y a toutes les publications sont en ligne, en open access, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et donc il y a des publications à venir effectivement sur cette étude, voilà, mais dans l'année qui vient, là, puisqu'on doit finir l'étude, voilà. David, une autre question pour toi. Peut-être une question piège. quel est le rapport avec son terrain dans l'étude des psychédéliques pour les anthropologues? Alors ça, c'est une question qui excite beaucoup. En général, c'est vrai qu'on la pose à peu près à chaque intervention. Bah ouais, ça arrive souvent. Hein. Est-ce que vous avez pris l'ayahuasca? Ça fait, etc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'anthropologie, l'ethnologie, donc la méthode s'appelle l'observation participante. C'est là, tu vas créer des vocations. Hein. Voilà, qui distingue l'anthropologie, par exemple, de la sociologie ou d'autres. Donc il y a cette idée que pour voilà, ce qu'on étudie, on se rend là où ça se passe, on partage la vie quotidienne et on, voilà, on observe, on ne fait pas que observer, on participe aussi aux pratiques qu'on observe. Et donc ça, c'est déjà depuis Malinowski qui avait posé ce principe et qui rompt avec une anthropologie qui était un peu émergente, qui était beaucoup plus distanciée. Donc c'est l'observation participante. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, il y a quelques petites, une sorte de prudence hein, qui accompagne le sujet des hallucinogènes. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu le voir quand j'ai fait mon travail de thèse sur l'ayahuasca, où effectivement, la plupart des anthropologues, même quand beaucoup n'ont pas participé au rituel, certains chercheurs qui pourtant sont des chercheurs très compétents sur ces questions, expriment très clairement le fait qu'ils ont refusé de participer au rituel pour garder une sorte de distance, de neutralité scientifique. D'autres ont participé, mais n'en parlent pas en détail dans leurs travaux et semblent considérer que les expériences qu'ils ont vécues ne sont pas intéressantes à titre scientifique. Et ça revient un petit peu à l'intervention qu'on a écoutée tout à l'heure sur la question aussi des médecins qui expérimentent eux-mêmes et qu'est-ce que ça implique. Alors effectivement, il y a toutes ces préconceptions occidentales hein, autour de ces substances. Donc déjà, ce sont des hallucinogènes, hein, on aborde ça comme ça. Donc ce sont des substances qui vous font voir des choses qui n'existent pas, puisque la définition médicale des hallucinations, c'est une perception sans objet. Donc effectivement, on ne comprend pas très bien ce qu'un chercheur aurait à gagner à prendre une substance qui donne des perceptions sans objet. Et ensuite, en France, comme vous le savez, il y a toute cette question autour de l'utilisation des hallucinogènes comme support de manipulation mentale, etc. Donc il y a aussi beaucoup cette idée qu'en participant à ces pratiques, on perdrait la distance nécessaire à une enquête scientifique raisonnée. Alors, donc pour répondre à la question, moi, effectivement, j'ai participé au rituel que j'ai étudié, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt, et parce que tout simplement aussi, je considère que les rites hallucinogènes sont des objets comme les autres, et il n'y a pas de raison qu'il y ait une méthode pour l'ensemble des travaux anthropologiques, et puis dès qu'on aborde cette question des substances hallucinogènes, alors là, il ne faudrait plus participer. Donc ce qui est un peu étrange d'un point de vue scientifique, et en fait, ce qui révèle plutôt, encore une fois, la projection des préconceptions ethnocentriques des imaginaires occidentaux sur ces substances. Donc moi j'ai participé, j'ai trouvé ça très intéressant d'abord pour les relations que ça crée avec les personnes avec lesquelles on travaille, puisque moi les personnes avec qui je travaillais dans les rituels, très souvent dans les entretiens, dans nos échanges, ils me disaient qu'ils ne se livreraient pas de la sorte si on n'avait pas participé ensemble au rituel et que, comme vous le savez, il y a une dimension expérientielle dans l'expérience psychédélique qui est très importante et souvent la personne a l'impression de vivre des choses ineffables
Et donc, ils ont du mal à en parler à quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience. Ensuite, moi, j'ai pu observer des choses dans les rituels, en les vivant aussi dans mon propre corps, comme des choses que j'ai évoquées rapidement dans mon intervention. Par exemple, l'impact de techniques de guérisseurs, l'impact des chants, l'impact des parfums sur les visions. Et ça, voilà, ça m'a permis de voir des choses qui n'étaient pas forcément exprimées de prime abord dans les énoncés, dans les entretiens. Donc, je pense que ça a beaucoup d'intérêt de participer au rituel, mais alors évidemment, il faut faire un peu attention parce que c'est pas absolument anodin de consommer ces substances-là, et qui sont par ailleurs interdites dans nos pays. Donc moi, je travaille dans un pays au Pérou où c'est légal. Et donc, comme tout anthropologue qui défend une approche plutôt expérientielle, comme par exemple l'a défendu Jeanne Saada dans ses travaux sur la sorcellerie, ben voilà, on fait un travail de prise, de déprise, de prise de distance, on participe, ensuite moins participative. On travaille avec le journal de terrain qui permet, tous les soirs, on écrit comme ça dans le journal, ce qui permet d'objectiver, de mettre un peu de distance. Il y a des moments où on participe beaucoup, des moments où on participe moins, et c'est ce jeu d'aller-retour, évidemment d'aller-retour aussi physique, hein, entre le terrain et le retour au laboratoire, les échanges avec les collègues, qui permettent finalement d'objectiver. Bon, je crois que comme vous pouvez le voir, ça ne m'a pas absolument détruit ma capacité à l'élaboration rationnelle. Donc c'est possible, voilà, on n'en est pas, on n'en meurt pas. Tu ne peux pas le savoir toi-même, hein. Voilà, c'est vrai. Mais effectivement, après, ça dépend encore une fois, il ne faut pas en faire une condition absolument sine qua non d'étude de ces objets-là, puisque ça dépend encore une fois de ce qu'on étudie. Moi, j'étudie avec l'apprentissage, et c'est vrai que... T'étais pas dans les groupes amazoniens qui pratiquent les meurtres rituels des tribus voisines. Non, voilà. Donc, okay. Il y a quand même donc ça va, il y a des limites à ce qu'on peut faire ou pas faire en anthropologie. Voilà. Donc, pour conclure, voilà, c'est pas absolu, c'est pas non plus une obligation. Ça dépend vraiment de ce qu'on étudie, ce qu'on veut comprendre. Et voilà, mais je pense que ça mérite d'être fait si on se pense que ça doit être fait sur le terrain. Merci David pour cette réponse complète et élaborée, qui montre bien que oui, on peut continuer à réfléchir quand on fait de l'observation participante, là où on prend de l'ayahuasca. Il y avait une question pour Chris. Quelqu'un souhaitait savoir si cette autobiographie que tu as mentionnée était disponible, si on pouvait se la procurer, où la trouver. Je viens de partager, enfin on a partagé le lien là sur le chat. Okay. Ça se trouve très facilement. Vous n'aurez aucun problème à le commander. Est-ce que tu peux juste donner le nom? Parce que ça risque d'être enterré dans le chat. Enfin, je n'ai pas vu à quoi le chat ressemble, mais souvent les messages peuvent être enterrés. Oui, bien sûr. C'est One Foot in the Future, A Woman's Personal Odyssey in the... Ah, je n'ai plus la fin. mais je peux One Foot in the Future, je pense que ça va suffire. Ouais, ça suffira, ouais. Ok. One Foot in the Future. Ouais. Un très beau titre, par ailleurs. Alors, voyons voir les questions. Quelqu'un se dit, y a-t-il moyen de s'attaquer à l'article L627 au motif d'entrave à la science? S'attaquer à la loi, je crois, ça... je ne sais pas qui veut répondre, mais bon, ça... je pense qu'il faut, expliquer des choses aux députés. Et... voilà, s'attaquer à la loi, ce n'est pas trop scientifique de le faire, hein, c'est aux hommes politiques, mais on peut peut-être discuter avec les hommes politiques, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas à la Société psychédélique française, c'est de faire un petit peu de remue-ménage, si j'ose dire, autour de ce sujet des psychédéliques, pour qu'on en parle de plus en plus et que peut-être ça change les choses. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus? Sur l'entrave. Et d'ailleurs, oui, Chris, un instant, je crois que la loi... enfin, c'est pas je crois, je sais, n'interdit pas l'utilisation des psychédéliques pour des raisons scientifiques. Et ça, c'est dans les conventions internationales. Là, peut-être Chris, tu voulais répondre, et Zoé aussi. Non ? Oui, très rapidement. Mais moi, il me semble que s'attaquer à la législation sur les psychédéliques en France à l'heure actuelle, j'y crois pas du tout. Je pense que le chemin le plus probable, c'est ce qui est en train de se passer en Amérique du Nord, avec d'abord la légalisation du cannabis thérapeutique, puis la dépénalisation du cannabis, puis la légalisation du cannabis, et enfin la décriminalisation des psychédéliques. J'ai l'impression, enfin, je vois difficilement comment en France on pourrait suivre un autre chemin. Ça me paraît un bond gigantesque d'un coup. Et Zoé, tu me confirmes que on peut utiliser les psychédéliques pour la science. La loi ne l'interdit pas, il faut juste que les chercheurs le demandent.
Oui, c'est ça. En fait, il faut une autorisation du ministre de la Santé officielle pour un médecin précis et pour un patient précis aussi. Donc, les études qui reprendront peut-être dans les prochaines années demandent beaucoup, beaucoup de préparation et, comme tu disais, une certaine forme de lobbying, en fait, pour expliquer aux pouvoirs publics l'intérêt de reprendre ces études et d'accorder des financements. En fait, c'est le nœud principal aujourd'hui, c'est les financements. Hein. Les études sont possibles, il n'y a pas de loi qui interdit de faire des recherches sur ces substances-là. Le problème, c'est que personne ne voudra les financer. Enfin, je crois, avec l'actualité du cannabis thérapeutique, il y a d'autres types de complications qui sont d'ordre politique. Mais bon, on va peut-être sortir. Officiellement, en tout cas, c'est le problème. Alors, bon, ouais. Ils utilisent le problème du financement pour Valérie, bloquer les... c'est Valérie qui se signale. Ouais, c'est Valérie qui se signale Tu parce peux que... remettre ta caméra, on ne te voit pas. Moi, Pardon. je te prie de Je m'excuser suis comme je toujours ne vois restée pas sur le. le Ah, trauma où il fallait qu'on éteigne tous nos caméras pour avoir des Élise aussi, signal, mais... si tu veux. Donc, ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, donc, effectivement, la recherche est possible, mais ça coûte très, très cher de faire cette recherche-là de par l'illégalité de ces composés. Donc, déjà, se les procurer, de pouvoir les stocker sur place, à l'université, tout ça demande des licences. Mais en revanche, la situation est en train de changer énormément. Alors, ça se passe pas au niveau politique, mais ça se passe au niveau du business. Où là, il y a de plus en plus de compagnies qui se mettent sur le coup, beaucoup plus de, enfin, énormément de business qui se font là autour des psychédéliques, et il va y avoir de plus en plus de financement, et ça va devenir quelque chose, je pense, d'assez énorme dans les quelques années à venir. Et déjà, ça a commencé en Angleterre, aux États-Unis. Je pense qu'en France, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais en tout cas, les financements, ils sont là, mais ils seront privés, peut-être. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mener actuellement une étude sur les psychédéliques, plus de la moitié du financement part dans les assurances pour se protéger, en Ah fait. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est que en fait, plus de la moitié du financement ne va pas du tout partir dans l'étude en elle-même. bon, les recherches en sciences humaines ne sont pas très financées non plus. Donc, s'il y a des millionnaires qui sont actuellement en train de nous suivre sur YouTube ou s'ils entendent ce message plus tard, on accepte tous les dons vraiment. Si vous êtes riche et généreux, merci d'avance, vraiment, très sincèrement. Et il y avait une autre question pour Valérie. Je m'ouvre mon autre onglet. Est-ce que dans les recherches qui sont menées actuellement, on utilise des combinaisons avec des bêta-carbolines inhibitrices de monoamine oxydase en combinaison donc avec les psychédéliques? Alors, je crois que c'était quelque chose sur lequel Jordi Riba, qui est malheureusement nous a quittés récemment, s'intéressait pas mal. Donc la combinaison entre le DMT, enfin de reproduire en fait une ayahuasca version purement Pharmaceutique, ouais. pharmacologique, donc ce qu'il appelait la pharmawaska, donc avec du DMT et des inhibiteurs de la Mono MAO. Pas facile d'en parler en monoamine français, oxydase, désolé. ouais. No problem. Mais voilà, en dehors de ça, je pense pas qu'il y a eu beaucoup plus de recherches que ça. En tout cas, pas très abouti encore à ce niveau-là. Moi, il y a une question qui a été posée pour moi sur les pipes à insufflation de Yopo, les Snuff Trails. Alors, je le signale, mais je me tire une balle dans le pied parce que je ne pouvais pas être exhaustif. Par contre, je peux annoncer la sortie prochaine du livre Démons de l'Estrange qui parle de la découverte des différentes plantes hallucinogènes d'Amérique latine. Donc, j'espère que vous trouvez les informations que vous voulez là-dedans. Mais il me semble bien que oui, qu'il y a des objets archéologiques qui ont été trouvés qui laissent penser, par contre la date, là je ne l'ai plus en tête, qu'il y avait des consommations de ces graines qui contiennent de la 5-MeO-DMT. Romain saurait répondre, mais je crois qu'il a un problème avec sa connexion. Donc pardon. Et moi j'avais une question pour Élise. Parce que dans le stress tout à l'heure des petits problèmes techniques, Élise, est-ce que tu es toujours avec nous? Pas l'impression. Ici, maintenant, mon micro était coupé. Ah, pardon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît,
nous rappeler les différences de doses qui ont pu être employées avec la psilocybine de part et d'autre de l'Atlantique? Ouais, en fait, donc, en moyenne, Jean Delay, je peux redire un mot sur Jean Delay, j'ai vu qu'il y avait eu des réactions dans le chat. Jean Delay, c'est une des grandes figures de la psychiatrie française, donc de l'après-guerre, qui a une chaire donc, à la clinique des maladies mentales à Sainte-Anne, à partir de la fin des années 40. Et c'est dans son équipe que vont être. Enfin, il y aura en tout cas beaucoup d'expérimentations de la mescaline, du LSD, puis de la psilocybine donc, dans son équipe. Et lui, concernant la psilocybine, va utiliser des doses qui vont de 6 mg à environ 12, 14 maximum, en fait, selon les protocoles. Mais la dose moyenne, la moyenne que lui établit dans certains de ses articles, c'est 10,2. Donc c'est qui est très peu. Ouais, c'est dans le cas de Timothy Leary, dans le courrier qu'il écrit à Delay, lui fait mention de 20 mg, mais en fait, il y a des courriers de la même époque, donc de 61, de la première moitié de l'année 61, où il fait état de doses qui peuvent aller jusqu'à 40 mg, ce qui là, par contre, est une dose quand même très élevée aussi. Oui, qui dépasse les doses thérapeutiques, si je ne me trompe pas, Valérie, qui sont de l'ordre, je crois, maximum de 30 mg, n'est-ce pas, de psilocybine. Pardon, ouais, c'est à peu près 25-30 mg qui sont utilisés, 30 grand maximum, ouais. Mmh. Ouais, il utilise des très fortes doses. Il y a notamment, je pense, des lettres avec Allen Ginsberg où il parle ouais, de doses comme 36, 38, oui, qui sont assez fortes. Mmh. Et il y avait une question dans le chat tout à l'heure, en fait, sur la réflexion que pouvait avoir l'équipe de Delay sur le rapport au poids. Et oui, c'est une réflexion, en tout cas dans les articles, les premiers articles de 58, ils en font état. Ils disent qu'en effet, ils font un dosage en fonction du poids, donc il y a des dosages très faibles. Mais avec Vincent, on discutait d'un cas justement d'une jeune femme, en fait, je crois anorexique, qui, elle, va avoir une expérience très intense du fait d'un dosage qui peut paraître peu important, qui est autour de 10, mais qui va avoir des effets importants. Voilà. Alors je reçois aussi des questions sur mon téléphone, je ne sais pas pour vous. Quelqu'un se plaint qu'on n'a pas abordé la légalité des nouveaux lisergamides qui apparaissent sur le Darknet. Un PLSD, un BLSD, ETLAD, etc. Précise, n'oublions pas que l'expérience psychédélique est souvent illégale puisque toutes ces substances sont illégales. Moi je suis perdu dans ce qui est légal et ce qui n'est pas légal en vérité. Il me semble que la loi française dit, par exemple, le LSD et ses analogues sont illégaux. Mmh. Et puis, ce soir, on a parlé des recherches que l'on mène, hein, donc c'est souvent très spécialisé. Si quelqu'un est motivé pour faire des recherches sur les nouveaux composés de synthèse, que ce soit du point de vue de l'anthropologie, de la pharmacologie et tout ça, nous, on serait ravis de l'accueillir à la Société psychédélique française pour enrichir. D'ailleurs, tiens, je profite, je lance un appel. Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On a besoin de toutes les bonnes volontés, des graphistes, des juristes, des spécialistes de PAO, qu'est-ce que j'oublie, des gens qui savent bien régler les vidéoconférences, les webinaires. Donc, je lance un appel, rejoignez-nous. Peut-être on va faire bientôt un message sur les réseaux sociaux, vous pourrez rentrer qui vous êtes, si vous avez des projets que vous voulez mener avec nous, si vous n'avez pas de projet, mais vous avez des compétences, on vous accueille à bras ouverts. Et aussi, bah, si vous voulez adhérer, ne vous gênez pas, c'est pas obligé, hein, mais ça fait plaisir. Depuis qu'on a lancé la campagne d'adhésion en ligne, on a reçu quand même un certain nombre d'adhérents. Je voudrais les remercier beaucoup, vraiment. Merci à tous. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Hein. Je vais regarder mes mails encore un coup. Si, dernière question. Y a-t-il un risque neuronal ou cardiaque sur une prise trop importante de champignons hallucinogènes? Voilà une bonne question. J'ai bien envie de répondre, mais je crois que c'est Valérie, notre autorité psychopharmacologique ici. Ouais. un risque neuronal et cardiaque sur une forte prise. Alors, bon, il faut savoir que sur tous les essais cliniques, déjà, les gens qui ont des problèmes cardiaques à la base sont exclus par précaution, parce qu'il peut y avoir des effets, effectivement, sur le cœur, qu'on ne connaît pas très bien, d'ailleurs, hein, donc, mais par précaution, voilà. Des effets neuronaux, non, en général, enfin voilà, c'est très. C'est des composés qui sont
qui sont très safe. Après, il y a des gens qui expérimentent des visions à long terme. Là, il y a ce problème HPPD, peu connu. Ouais, vas-y, ouais. Vincent. C'est quoi HPPD? C'est quand, ouais. Quand on continue à avoir des manifestations optiques en l'absence de la substance dans son corps. Ouais, ouais, des ouais. Choses un peu gênantes, un peu. Alors, voilà, c'est souvent des halos sur les côtés. Voilà, c'est ce qu'on appelle le trouble hallucinatoire persistant. Quel genre de halo là ? Ça commence à m'intéresser ce que vous dites parce que. Le genre qu'on peut voir avec ces substances là, mais qui sont pas souvent sur les côtés et qui sont un peu persistants. Et alors, quand ça reste au quotidien, au travail, dans les repas de famille, etc., ça peut devenir un peu ennuyeux. Voilà. Ah non, inversement, il y a des repas de famille ennuyeux qui pourraient devenir beaucoup plus sympathiques avec. Non, attention. Il y a des lois qui interdisent de présenter ces substances sous un jour favorable. Et moi, j'aimerais poser aussi une question. Enfin, ou en tout cas, il y a aussi des effets secondaires regrettables. Hein. Attends, juste un truc. Ouais. Il y en a un dont on ne parle pas souvent, c'est le syndrome un peu du messie, quoi. La personne qui, ça y est devenue illuminée, qui a envie d'en parler à tout le monde, de réunir des groupes où on en parle, jusqu'à organiser des webinaires. Donc, blague à part, c'est vrai, quand on a des expériences spirituelles fortes, en fait, peut-être qu'on a envie de fonder des nouvelles religions. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer, ça y est? Bref, Valérie, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les effets secondaires? Je voulais juste dire, en fait, qu'on n'a pas parlé de... Enfin, pas vraiment de ça, mais il y a quand même un risque qui est par rapport aux gens à tendance psychotique, parce que ce que font les psychédéliques, c'est quand même nous entraîner un peu plus vers la psychose. Alors, s'il y a beaucoup de gens que ça peut aider dans leur comportement névrotique, ceux qui sont déjà du côté de la psychose, c'est quand même pas fortement recommandé. Ça n'a pas été vraiment recherché ou étudié jusqu'à présent. Encore une fois, c'est une mesure de précaution, mais c'est vrai que vu tout ce qu'on voit sur les effets cérébraux et le mode de fonctionnement et tout ça, je pense que c'est une précaution assez sensée. Donc, d'éviter de... D'autant qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de... soit de bouffées délirantes aiguës, donc intenses, mais sur un temps court, soit de psychoses plus longues qui s'installent après des prises de psychédéliques, c'est un fait qu'on peut pas nier. Et alors avec toujours le problème de savoir qu'on ne sait pas forcément avant si on a ces fragilités-là. Et donc, on peut découvrir après, trop tard, que. Bon, donc ça, on peut pas nier que ça existe. Hein. Non, il faut pas le nier, il faut même le dire. Moi, j'ai eu l'occasion de me retrouver entouré d'une trentaine ou d'une quarantaine de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes, tous intéressés par les psychédéliques, et dans leur pratique clinique, la plupart avaient reçu des personnes qui avaient consommé des psychédéliques et ça les avait emmenés consulter, en fait. Alors, dans des cadres des centres de retraite clandestins où on donne de l'ayahuasca, des champignons, parfois à forte dose. Et ces personnes ont vécu des expériences dont l'intégration était difficile. On voit beaucoup sur des réseaux sociaux des gens qui disent « Oui, il faut prendre des fortes doses, c'est très bien, ça va vous faire du bien. » Il y a des personnes chez qui ça ne réussit pas. Et d'ailleurs, même dans l'étude très commentée sur la dépression résistante, le traitement par la psilocybine, hein, l'étude de Robin Karataris sur 12 personnes, il y en a une, j'avais vu une fois une conférence du psychothérapeute qui l'avait traité, qui avait cru pendant son trip que son père, enfin qui avait cru en tout cas, qui avait eu cette espèce de souvenir, ou peut-être un faux souvenir, que son père avait essayé de l'étouffer avec un oreiller. Et quand le trip de psilocybine était fini, il fallait qu'il vive avec ce souvenir en se disant « Est-ce que ça m'est vraiment arrivé ? Est-ce que mon père a vraiment essayé de m'assassiner ?» Donc, il y a ces phénomènes-là aussi qui se produisent. On est en train peut-être... Oui, et là, à ce titre-là, la question d'encadrement est très importante. C'est-à-dire le type de dispositif qu'il faudrait mettre en place pour encadrer la prise de ces substances-là, et notamment l'après, les procédures d'élaboration verbale, de prise en charge psychothérapeutique après, ça sont très importants parce que c'est difficile de savoir ce qui est dû à la substance, vraiment d'un point de vue pharmacologique, et ce qu'elle fait d'une prise un peu sauvage, où on vit des expériences très intenses et on n'a pas d'espace ensuite pour les verbaliser, les retravailler. Et qu'est-ce qui est le plus perturbant là-dedans? Est-ce que c'est vraiment la dimension pharmacologique de l'expérience ou est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas d'espace dans la société pour élaborer sur ces éléments-là? Parfait.
Ça me permet de dire, d'annoncer en avant-première. Attends, juste, on va faire un cercle d'intégration online à la Société Psychédélique Française. On va certainement faire des petits groupes de 10 à 12 personnes. Il y aura certainement un psychologue clinicien qui sera avec nous. Donc, on va essayer de créer ce dispositif des cercles d'intégration online. Voilà, pardon Zoé. Pas de souci. Je voulais juste ajouter que ces problèmes-là de création de faux souvenirs où on ne sait pas exactement... si c'est des faux souvenirs ou si vraiment on se souvient tout à coup d'un traumatisme qu'on aurait caché dans sa mémoire, c'est quelque chose qui a accompagné la psychiatrie depuis au moins le 19e siècle. Dès le 19e siècle, il y a des patients qui, en psychothérapie, font revenir à la mémoire des souvenirs, et des souvenirs traumatiques qui sont questionnés par les sujets, où on se dit « mais finalement, je ne crois pas que ça soit vrai ». Il semble que ce soit le phénomène psychothérapeutique qui ait fait émerger ce pseudo-souvenir. Donc, ce n'est pas seulement lié non plus à la prise de psychédéliques, ce que tu décris de l'étude de Karartaris. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, que ça a quand même accompagné la psychothérapie depuis très longtemps. Et Chris, je voulais poser une question à Chris, justement, qui connaît bien l'histoire psychédélique des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré dans ton corpus, tout ce qui est mauvais trip, mauvaise expérience, intégration difficile? Eh bien, tu peux pas tomber mieux, Vincent, avec ta question, parce que je vais... comment est-ce qu'on... Ah, voilà. Il a disparu. Non, je suis là. Je suis pas très doué. Voilà. Je viens de partager à l'instant un lien sur un article qui est, en plus, il est disponible. Il est libre d'accès. C'est un article que j'ai coécrit avec Eric Adic sur les bad trips, justement, une perspective historique sur ces réactions-là. Et nous, en fait, on avait le souci d'avoir une opinion très nuancée avec des exemples historiques à l'appui sur cette notion-là. Donc, on cherchait justement à mesurer cette idée que la peur, c'est forcément quelque chose de négatif dans une expérience psychédélique. Et contextualisant, en historicisant, on va dire, ces idées-là, on s'aperçoit qu'aussi bien dans la psychiatrie que en dehors de la clinique, il y a des interprétations très très nuancées justement sur ces réactions qui sont en apparence négatives, mais qui en réalité peuvent avoir une valeur bénéfique sur le court ou le moyen terme. Tout est dans l'article. Il y a des cas que j'ai trouvé vraiment fascinants, notamment de Jan Bastiaans aux Pays-Bas, qui travaillait avec des survivants des camps de concentration, et qui administrait du LSD à ses patients pour leur faire revivre les horreurs d'Auschwitz. Donc, c'était des patients qui, il y a un mémoire en particulier, d'un de ces patients qui, pendant 20 ans, ne dormait plus. À chaque fois qu'il dormait, c'était des cauchemars, il était dans un état d'anxiété permanent, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, il a fait une thérapie avec Bastiaans, justement, pour volontairement faire remonter là toutes ces. Pardon, on a été interrompu. Bonjour. Mais c'est certainement l'heure de remercier tout le monde et de commencer à dire au revoir. C'était notre premier webinaire. Ça a mal commencé, ça a bien fini. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout. On était en direct de Toulouse, de Saint-Étienne, Aix-en-Provence, London, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Paris, Joinville-le-Pont. Qui j'oubliais? Élise, t'es où? Élise est à Marseille. À Marseille. Voilà, donc ça fonctionne à peu près. Les pirates qui nous ont spammé là, on vous dit des gros mots. Hein. Mmh. Et tous ceux qui nous ont regardés, qui ont participé, qui nous envoient des messages d'encouragement, qui vont adhérer en masse, les millionnaires qui vont faire des dons pour nous permettre de finir notre thèse dans les meilleures conditions, merci infiniment. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à tous les participants, les conférenciers. Merci à vous pour l'orga. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et, au revoir. Et à tout vite dans la vraie vie.
On l'espère. Voilà, on peut porter nos masques. Ciao, ciao. Allez, au revoir, ciao. Bye. Bye. Salut.